Madame de 85 ans qui m'ont écrit sur mon site pour me dire que c'est la première fois qu'ils en parlaient. Ils se sont libérés en me l'écrivant à moi. Mais imaginez-vous, la vie de ces femmes-là, ça a dû être l'enfer. Comment avoir enduré tout... traîner ça, ouais, un fardeau, oui. Donc, c'est incroyable. Oui, je me suis libérée, puis je me suis dit, mon Dieu, si je suis capable d'en aider certaines. Il y a dû en avoir des plus jeunes aussi. Oh oui, oui, j'en ai eu de tous les âges. Oui, oui, oui. De là l'importance dans les chansons d'écouter aussi les paroles. Oui. Parce que c'est pas... le rythme compte, oui. Oui. Mais de plus en plus, les paroles. Mais je pense qu'au Québec, c'est ce qui nous rend. Qu'on accroche aussi sur une, sur une chanson, c'est vraiment les paroles, puis la mélodie suit. Revenons brièvement sur ce qu'on vient de voir avec Gino Quirico. Oui. Nous sommes l'un. Oui. C'était assez bizarre comme titre. Pourquoi ce titre-là? Ah, bien ça, c'était la chanson que Rick Allison avait fait pour Gino Quirico. Oui. C'est un duo, puis il m'a demandé pour l'interpréter avec lui. J'ai dit oui. Mais est-ce que vous avez eu une certaine inquiétude parce que c'est de l'interprétation entre guillemets classique, donc avec énormément de technique, avec des voix très bien placées. Je ne dis pas que vous n'avez pas une voix bien placée, vous n'avez pas une bonne technique. Je ne sais pas, je ne suis pas connaisseur de voix, mais vous en êtes drôlement bien sorti. Et quand on a entendu dire que vous faisiez un duo avec Gino Quirico, tout le monde a dit « Hein? » Et quand le résultat est sorti, tout le monde a dit « Wow! » Bien, tant mieux, mais j'ai eu un plaisir fou à chanter justement... Avez-vous hésité? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. J'ai eu un plaisir fou à chanter premièrement avec Gino Quirico, parce que c'est un être humain extraordinaire aussi. Oui, oui. Une belle complicité. Puis la chanson, j'ai aimé l'interpréter parce que justement, ça sortait un petit peu du cadre du rock and roll. Puis ça faisait changement. Oui. Puis quand on te demande si tu veux chanter avec Gino Quirico, je pense que c'est intéressant de s'asseoir 2 minutes avec soi-même et de dire ça serait bien le fun. Marie-Chantal, je vais faire une pause dans mon dans mes notes. Dans le bulletin. dans le bulletin. Et je regardais tout ce que vous avez fait. Tout le chemin que vous avez parcouru, d'où vous êtes parti, où est-ce que vous êtes rendu. Et si, pour bien des gens, là, ça se résume à ça. Sa carrière est commencée sur un stunt. OK? Oui, c'est ça. Que vous l'ayez voulu ou pas. Ah non, non, mais c'est la vérité, c'est ça. Bon, la carrière est partie sur un stunt, et il y a bien des gens, la majorité, qui se sont dit, bon, un autre qui va passer, là, puis on n'entendra plus parler. Mais vous, vous avez décidé ça autrement. Vous avez décidé que la carrière allait suivre. Oui, j'ai une tête de cochon. Est-ce que c'est suffisant d'avoir une tête dure pour arriver à faire ce que vous avez fait et à continuer de faire, malgré les embûches, de faire ce que vous faites aujourd'hui? Ça prend une tête de cochon, définitivement, mais ça prend aussi beaucoup de persévérance, puis... de s'entourer des gens qui y croient parce que c'est facile de baisser les bras puis de dire, regarde, moi, je laisse tout tomber, puis je taboute, puis je vais faire autre chose. Mais quand c'est ça que tu veux faire dans la vie, oui, j'ai commencé bizarrement, mais c'était de rencontrer les gens un par un puis leur changer la perception du stun, justement, parce que quand on m'arrêtait dans la rue, c'était, ah, la fille, le panneau, non? Ça a été ça pendant un long temps. Ah, c'était ça pendant 2-3 ans. C'était juste aux menaces de mort, changer de numéro de téléphone, j'ai déménagé. Oui, alerte à la bombe, et ça me touchait, parce que je me disais, pourquoi les gens se fient à une image au lieu de prendre le temps vraiment d'écouter ce que j'ai à dire. Puis finalement, j'ai jamais eu la chance de dire ce que j'avais à dire avec cette chanson-là, avec cet album-là. Ouais. Et d'autant plus que je n'étais pas convaincue. Fait que le flow, changer de compagnie. Ce que vous vouliez faire, non, pas du tout. Mais ce que je voulais, moi, c'était chanter. Ouais. Ce que je voulais, c'est comme laissez-moi ma chance, puis je vais vous montrer que je suis capable de chanter, puis que je vais y rester. Aujourd'hui, chantez-vous ce que vous avez le goût de chanter, la façon dont vous avez envie de le chanter. Oui. Ouais. Ouais. OK. On va, pour aller à la première pause, on va faire plaisir à quelqu'un. Par le biais d'un de vos clips, donc par le biais d'une de vos chansons. OK. OK? Si tu as peur, si tu me vois, il n'y a plus d'amour, de joie au fond de toi.
Michel Trudel. Quand vous entendiez parler là, de Star Academy le dimanche soir, c'était chez lui. Michel, location Michel Trudel, c'est lui, Michel Trudel. On va en parler après la pause un peu, parce que c'est un ami à vous aussi. Oui. OK. Comme les invités de Michel Jasmin, vivez Urbania au Château Bonentente, l'art de vivre à Québec. Ta performance est trop décevante. Il y a un grand ménage à faire ici. Je pense que j'aurais plus besoin de toi. Vous cherchez une meilleure façon d'épousseter? Le plumeau Swiffer attrape et emprisonne la saleté et les poils que les vieilles méthodes d'époussetage laissent derrière. Swiffer redonne au ménage son sens propre. CoverGirl présente le brillant à lèvres Outlast Double Lip Shine, une couleur chatoyante qui dure jusqu'à 6 heures de vie. Un coloris avec une brillance qui ne vous trahira pas. Tient-il comme ça, votre brillant à lèvres? Le nouveau Outlast Double Lip Shine de CoverGirl. De la musique, des expositions et des entrevues intimes avec les auteurs. Ce dimanche, 11h, Patricia reçoit Françoise Cloutier pour son livre Le paradoxe de l'espoir. Librairie Clément Morin, beaucoup plus qu'une librairie. Venez découvrir ou revoir New York ce week-end. Oui, c'est possible grâce à Vacances Belle Tour. New York, c'est la vie trépidante, l'endroit pour sortir, bien manger ou faire de nouvelles découvertes. New York, c'est aussi un des endroits les plus merveilleux pour vivre le jour de l'an. C'est une expérience inégalée. Partez pour 3 jours à partir de seulement 229 $. Vous serez transporté en autocar de luxe et logé 2 nuits à l'hôtel. Pour réserver votre prochain week-end, téléphonez-nous dès maintenant au 1-866-235-8687. Mon nouveau projet, ça va simplifier la vie des femmes, leur apporter de nouvelles idées, des solutions pour embellir leur quotidien. De quoi ça va parler? Ben de tout ce qui intéresse les femmes. En ondes? Non, en kiosque, c'est un magazine. À découvrir dans Moi et compagnie, 10 nouvelles idées pour retrouver la forme en s'amusant. Un menu pour 2 semaines de souper facile à préparer et à gagner. Un voyage pour 4 personnes en Italie. Moi et compagnie, le magazine idéal en vente maintenant. L'événement Novembre Bien au Chaud se poursuit dans vos 3 magasins L'Équipeur de la Mauricie. Vous y trouverez des vêtements et accessoires pour passer un automne tout confort. Alors n'attendez plus, venez profiter de l'événement Novembre Bien au Chaud dans vos 3 magasins L'Équipeur de la Mauricie. L'Équipeur, toujours le bon vêtement. Les petits chanteurs de Trois-Rivières présentent le Requiem de Mozart. Ne manquez pas ce concert grandiose le 4 novembre prochain, 20h, à la cathédrale de Trois-Rivières. Pour réservation, 374-4009. La Corporation culturelle de Shawinigan vous a préparé une programmation éblouissante. Samedi 18 novembre, 20h, Mike Ward est plus haïssable que jamais dans son premier spectacle solo. Mon père, il pense que je suis un cave. Dès que je pensais que je voulais arriver à l'église. Attendez-vous à voir un Mike plus drôle et plus surprenant que jamais. Un show décapant, drôle et touchant. Billets en vente au guichet du Centre des Arts ou au 539-6444. De la musique, des expositions et des entrevues intimes avec les auteurs. Ce dimanche, 11h, Patricia reçoit Françoise Cloutier pour son livre Le paradoxe de l'espoir. Librairie Clément Morin, beaucoup plus qu'une librairie. Depuis 30 ans, même heure, même poste. Pierre Bruno, toujours premier. Blessé en pleine forêt. Yvonne Larocque, toujours présent. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci. Aujourd'hui, c'est inquiétant, Paul. Au TVA 17h. Ce vendredi, les demi-finales commencent. Le concours se corse à présent. Tu es génial. Les juges seront encore plus critiques. C'était ennuyant. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Ce dimanche, de la grande visite, Maman Dion et ses 14 enfants, Grégory Charles et Louis-José Houd. Ce dimanche, 19h30, vous allez voir, on n'a pas toute la soirée. Une présentation de New Look, Epiderma et Vidéotron. Les invités de Michel Jasmin. Voyage à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. J'ai jamais pensé un jour te laisser. C'est pas ça
vous avez vu ça? Ouais? Oui, je m'en souviens même plus. Quel effet ça vous fait? Mais ça me fait toujours un effet de surprise parce que justement, je me souvenais pas d'avoir fait une vidéoclip sur. Toi, c'est moi. Mais vous en avez fait combien à peu près de vidéoclips jusqu'à maintenant, depuis les débuts de Charlie? 7, 8. Bon, et puis vous m'oubliez un. Ouais, quand je l'ai vu, je pensais que c'était Naître, habillé tout en blanc. Donc... Ah, ben oui, c'est vrai. On va l'avoir tantôt, je pense. Ouais. OK. Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose de pas aller chercher de statuette à la disque cette année? Ben c'est sûr. Tu te croises toujours les doigts, puis tu dis tout le temps, j'aimerais ça repartir avec un autre. Ouais. Cette année, j'aurais aimé ça gagner le show de l'année. Pourquoi particulièrement celui? Vous avez été en nomination, évidemment. Oui, mais c'est parce que j'ai vraiment travaillé ce spectacle-là depuis ma rupture. C'est comme un petit coup de pouce dans le dos d'avoir monté le show aussi avec Denis Bouchard, la mise en scène et tout ça. Ça aurait été... Une récompense. Une belle récompense. Une confirmation de quelque chose. Oui. 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 Que je suis capable de réussir. Où est-ce que... Puis on arrête d'en parler quand vous voulez. Où est-ce qu'on en est émotivement avec cette rupture-là qui date de, sauf erreur, 14 mois? Oui. C'est à peu près ça, là? Oui, bon, oui, c'est la date exacte. Où est-ce que vous en êtes émotivement avec ça? J'en suis à l'émotion zéro pour ce qu'on me parle du passé. Oui. Moi, ça va super bien, puis la vie continue. Professionnellement, professionnellement, va super bien. Tout va bien. Personnellement aussi. Tout va bien, ben oui. C'est génial, là. Savez-vous qu'il y a à peu près personne qui a compris cette rupture-là? Quelques mois avant... Ben, je pense même l'intéressé, il n'a rien compris non plus, tu sais. Ben, il a fallu que quelqu'un comprenne en quelque part. Bien, sans avoir parlé vraiment avec l'intéressé, je pense qu'il est assez grand et assez vieux pour savoir qu'est-ce que fait pour que je puisse m'en aller. Mais je pense que, tu sais, j'aime parler, quand on aime quelqu'un, on aime ça le présenter à tout le monde. Pis, oui, oui. Puis quand tu fais tu fais partie du showbiz, je pense que ça vient aussi avec les gens. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Mais à un moment donné, je dis bien ce que j'ai envie de dire. Oui. Puis il y a des choses qui se disent pas. C'est vraiment personnel à moi, qui était dans ma vie de couple, puis je me dis tout le temps, un jour, la vérité sera dite. Mais pour l'instant, c'est pas à point. Je vais vous dire à vous, puis je vais dire aussi à tout le monde, je pensais que vous m'en vouliez. Pourquoi? Lors de votre dernière visite, on avait parlé de périodes où il avait vécu des incarcérations ou une incarcération, je ne me souviens pas. Et on avait glissé rapidement là-dessus, puis on était passé à autre chose. Okay, vous vous rappelez de ça? Bien sûr. À la fin, évidemment, comme on le fait habituellement, on quitte le studio et on retourne dans nos loges, la vôtre à côté de la mienne. Moi, je n'ai même pas le temps de descendre ici. Ouais. Qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui monte sur le plateau d'une seule enjambée, qui vient me voir et qui me dit... Il s'est pas mêlé de ses affaires. Voilà. T'étais un maudit chien sale, t'avais pas d'affaires à parler de ça à Marie-Chantal, de quoi tu te mêles, et je vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit. Moi, je ne l'ai pas entendu. Non, vous ne l'avez pas entendu, vous étiez avec d'autres personnes. Oui. Et on s'est reparlé lorsque vous êtes reparti, mais vous deviez partir vite, je pense. Et ça, je me suis dit, ce n'est pas le genre de monde qui accompagne Marie-Chantal habituellement. Non. Et je me dis, bien, peut-être, effectivement, qu'elle a bien haï ça, puis peut-être que... Elle m'en veut, puis... Non, pas du tout. C'est sûr, Michel, que quand on m'a demandé, quand j'ai fait la pré-entrevue pour l'émission qui a duré pratiquement 1h15, puis on me demande de quoi tu aimerais pas parler, j'ai dit, l'histoire d'Eduardo, c'est Edouard, puis je veux pas en parler. Je pense qu'on m'avait dit que c'était écrit en gros sur ta feuille, qu'il fallait pas que tu en parles. Ouais. Et tu n'avais parlé.
Et j'étais un peu restée surprise parce que je te voyais un petit peu travailler, puis je savais que tu voulais m'en parler quand même. Puis je me suis dit, c'est écrit sur la feuille, puis continue à m'en parler. Fait que j'avais le choix. Soit, Michel, sincèrement, sur ma tête, je me levais, puis je m'en allais, je quittais l'émission. Ouais. Je savais que c'était du direct. Ouais. Et je me suis dit, ça va rien donner parce qu'après ça, je vais être des mois à expliquer mon comportement. Donc, je reste assise, puis j'ai affronté ce point-là. Qui a été fait. Mais que très... je voulais pas en parler. Ça a été fait très rapidement. Parce que je suis pas au courant. Mais savez-vous, il y a une chose. Mais je t'en veux pas. Non, non, mais quand on mais est intervieweur, Marie-Chantal. Ça fait partie de ta job. Il y a une... Et voilà. Il y a une chose qu'on doit respecter, c'est les gens qui nous écoutent. C'est sûr. Et qui veulent toujours apprendre à connaître davantage. Ouais, on n'a pas voulu savoir qu'est-ce qui avait amené ces affaires-là, ces problèmes-là. Non, mais c'est parce que j'ai comme 45 minutes pour parler de mon projet quand il faut que on coupe un 10 minutes pour parler d'Eduardo dans qu'est-ce qu'il a fait dans son passé, que je ne suis même pas au courant. C'est juste ça qui m'a rendu... C'était surtout l'effet que ça avait sur vous. C'était surtout ça. Bien, c'est de parler de quelque chose que tu n'es pas au courant. Fait que j'aime... En plus. Oui. Bon. Mais regarde, je veux juste que ça soit clair, Michel. Je suis ici après 2 ans parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas ici. Et que je vous aime tout. Parce que autrement, je ne vous aurais pas invité. C'est ça. Merci. Mais décidément, ces gens-là ne font plus partie. Est-ce que, là, c'est des questions, des commentaires, il y en a beaucoup. Oui. On vous remet ça. Aimerais-tu avoir des enfants? Ah, ça, on vous la pose souvent. Ça, cette fois-ci, c'est Muriel de Verdun. Sincèrement, je suis en remise en question là-dessus. Oui. À savoir si... La... Bien, si j'ai beaucoup de projets, puis j'aimerais ça les mettre à terme, parce que à 70 ans, ça ne me tente pas, j'aurais dû essayer de dire ça. Je veux dire, ouais. Bien, au moins... Vous voulez pas avoir de regrets? Je veux pas avoir de regrets, je veux dire, au moins, regarde, j'ai fait des tentatives pour tu sais, c'est sûr, je vais aller en France, c'est sûr, je vais parler en anglais, c'est sûr, je vais chanter en anglais. Ouais. Et c'est sûr, aujourd'hui, je suis rendue à 35 ans, j'ai pas de chum, j'ai personne. C'est sûr que si je veux un enfant demain matin, je peux en avoir un, mais j'y crois encore sincèrement. Ouais. Que tu peux avoir une vie de famille, puis mourir avec ton mari, puis que l'enfant, il est encore dans un lieu familial. Et aujourd'hui, on peut les adopter, ou à 42 ans, tu peux en avoir encore, tu sais, mais c'est... Ouais. Même à 67, il y a une dame... 67 ans? 67 ans, Marie-Chantal. Ouais, je serais plus patiente à 67 ans. Pas sûr. Imaginez quand elle va avoir 20 Voyons. Ans, vous en avez 87. Ah non, mais non, là. Non, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, vous êtes en... Oui, je suis en train de m'obstiner avec mon subconscient, puis mon conscient, sans savoir qu'est-ce qu'on fait. Et l'an passé, quand vous l'avez chanté, c'était... tellement beau, en plus. C'était à demande spéciale. Oui. Une mère, là, qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant. C'est juste regarder vous pleurer. Il y a une émotion sincère qui est là. D'un monde qui s'en fait. Faites-vous en pause avant, en pause avec ça. Non, mais... Tu me fais. Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. CoverGirl présente le brillant à lèvres Outlast Double Lip Shine, une couleur chatoyante qui dure jusqu'à 6 heures de vie. Un coloris avec une brillance qui ne vous trahira pas. Tient-il comme ça, votre brillant à lèvres? Le nouveau Outlast Double Lip Shine de CoverGirl. Les bébés communiquent par le toucher. Les nouvelles Sensitive de Pampers aident à maintenir la sensation de douceur de la peau de bébé à chaque utilisation. Les débarbouillettes Sensitive de Pampers, car chaque contact prend tout son sens. Le Nouvelliste, leader de l'information régionale depuis 1920. Cette
semaine, dans ces jours, découvrez le vrai visage de Julie Dupage, la méchante de L'Anse et Compte. Plus, un dossier spécial sur le gala de la disque, place au glamour et aux plus beaux couples. Et courez la chance d'aller voir U2 à Hawaï. Mon séjour. À fleur de peau et vous ne les retenez pas. Vous ne vous empêchez pas de les sortir. Et ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Je pensais pas qu'un enfant, tantôt, la chanson allait provoquer, mais en la chantant, ça a dû être terrible. Ah, j'ai tellement eu de difficulté. Parce que quand on avait fait la répétition, c'était seulement des poupées en plastique. Fait que là, j'étais comme OK, puis je me suis mis à chanter à balader entre les chaises berçantes, mais quand je suis arrivée sur scène, c'était des vrais bébés. J'ai fait, non, c'est une joke, là. Je capotais. J'étais décontenancée. J'avais goût de prendre les bébés, de les emmener avec moi, puis m'en aller avec eux autres. Puis j'ai vu une petite maman enceinte en avant. Écoute, j'étais. Puis juste à la revoir, je me suis remis dans le mood que quand je l'ai fait. Ouais. Comment j'avais trouvé ça extrêmement difficile, mais. Mais comment c'était soulageant après, parce que j'ai vraiment pleuré à rien scène. Oui. Ouais. On va jeter un coup d'œil sur... parce qu'on a le choix d'aller dans les courriels aussi, mais ça, vous les avez à la fin de toute façon. Il y a 16 chansons en CD et en deux en DVD. Non négociable, c'est-à-dire le... Ouais, non négociable, le clip. Et sur la route, en toi, c'est ce qu'on a vu tantôt, on finit par les trouver. Là. Et sur la route, qui sont de cet album non négociable. Oui. Incidemment, sur cet album-là, non négociable, je ne sais pas si on vous a déjà posé la question, sur l'album et à l'intérieur du livret, évidemment, vous êtes là. À l'intérieur, vous êtes assis sur une chaise. Et il y a l'horloge derrière vous qui est à 10h40, 11h-20. Est-ce que ça a une signification particulière? En fait, c'est que non. Non. Mais quand ils ont shooté, le photographe a shooté justement l'horloge pour la pochette de l'album. Et quand on me l'a donné la première fois, justement, cet album-là, c'est l'heure où mon père est décédé. Et ça s'est fait par pur hasard? Oui. Oui. C'est incroyable. Oui. Vous en avez beaucoup de hasards qui parsèment votre vie. C'est comme des moi, je prends ça comme des petits messages. Oui. Mon père fait partie de l'album. Je trouve ça le fun parce que celle qui débute justement cet album-là, c'est Naître. Naître et qui débute aussi. Oui. Cet album-ci. Oui. Là, je passe les chansons une après l'autre. Et évidemment, chacune a une signification particulière pour vous. Mais s'il y en a une qui est plus... à laquelle on devrait porter plus attention, vous m'arrêtez puis vous me dites pourquoi. OK? Oui. Naître, toutes les mêmes, dépendance, en toi, qu'on a vu au tout début, version courte, version longue. Version originale. Originale. Oui. Okay. 3 minutes 33. Sans regret, réveil, cette mélodie, non négociable. Ils ont toutes quelque chose. Fait que c'est ça. Je vais t'arrêter à chaque fois, mais il y en a une en particulier que. Qui s'en vient, là? Ouais. Aïe, aïe. Un endroit où pleurer. Oui.
Ça signifie quoi pour vous, un endroit pour pleurer? Ça signifie beaucoup de choses, mais une, entre autres, c'est mon père. Oui. Oui. Et ses paroles et musique ont été faites par une fan, puis qui aujourd'hui est rendue auteur-compositeur, ouais. José Beauchesne, qui m'a envoyé paroles et la musique. Puis quand je l'ai écouté, j'ai fait comme « Wow, c'est mon cher papa. » Et en chose, je dis tout le temps, tu sais, partout où je vais, partout il est là. Ouais. Puis je fais comme quand j'étais dans les bars à 7 ans, puis que je disais « Papa, écoute-moi, papa, regarde-moi cette chanson-là pour toi. » Mais l'intervention est tellement longue que, décidément, j'aurais aimé tout mettre le show complet sur l'album, mais ça l'aurait duré, je pense, 4 heures, parce que juste à présenter ce bout-là, de cette chanson-là, ça a duré 9 minutes. Oh! Parce que... De la Josette. C'est, oui. C'est enregistré à... Décomo, Sept-Îles. Sept-Îles et Décomo, c'est ça. Parce que c'est comme ça se fait habituellement, vous enregistrez 2 soirs. Oui. Et vous allez chercher un soir ou l'autre. Non, ça vous aidera pas. comment je pourrais te dire, Toi c'est moi, évidemment, Le Lacquétier, soirée fille, évidemment, tout effacé, maudit bordel. Oui. Les projets en France. On travaille là-dessus. Travailler là-dessus. Ouais. Est-ce que vous avez été obligé de tout recommencer, peut-être pas à zéro, là, mais... À zéro. Ah, ouais. Vous êtes découvert des côtés femmes d'affaires? Oui, parce que c'est quelque chose qui... Je pensais pas que j'avais, la fille qui était capable de mettre un agenda à l'heure puis de respecter les choses. Puis oui, j'avais, de toute façon, j'avais pas le choix. Ouais. Mais j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment... je trouve ça cool de prendre le temps pour soi puis de réaliser que je suis capable de mettre à terme mes idées. Oui. Marie-Chantal, moi, je n'ai absolument rien à voir dans votre carrière. J'ai pas été là au moment où ça a monté, où ça a parti, rien de ça. Ben mais... oui, parce que tu m'as invité. Oui, comme les gens ça. Ont le temps de prendre à me connaître plus. Je peux vous dire que je vous aime. Puis je peux vous dire que quand je vous vois à une émission de télévision, que je vois des extraits de spectacles, ou quand je vous ai devant moi, je suis fier de vous. C'est très vrai. Tu vas me refaire pleurer. Non, non, on a fini, là. Lundi, Dominique Michel est avec nous. Merci beaucoup, Chantal. À 25%. Ne manquez pas la suite de nos étés dès février à TVA. Vendredi 3 novembre, dans l'actualité, une petite communauté de la Montérégie est sous le choc. Deux jeunes de 18 et 23 ans ont été tués dans un grave accident de la route à Sainte-Martine hier soir. Et un autre de 16 ans est gravement blessé. Les jeunes revenaient d'une soirée entre amis dans un restaurant-bar. Le conducteur aurait effectué un dépassement dangereux sur la route 138 et heurté une voiture. Deux femmes qui se trouvaient à bord de ce véhicule ont été blessées. Les victimes sont originaires de Saint-Chrysostome. Évidemment, tout le monde se connaît là-bas et les gens de la municipalité sont ébranlés. Bonjour, Pierre. Bon midi, Ève-Marie. On connaîtra aussi aujourd'hui la sentence de Daniel Patry. On le sait qu'il a été reconnu coupable du meurtre non prémédité du marionnettiste de Passepartout. Donc, sa sentence qu'il devrait recevoir aux alentours de 13h30 cet après-midi. Pierre Régimbald a été poignardé à mort le 22 juillet 2004. Patry, 35 ans, est automatiquement condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il reste à fixer le nombre d'années qu'il doit purger de façon ferme. La Couronne réclame de 18 à 20 ans, alors que la Défense plaide plutôt pour une dizaine d'années. Et un fait plutôt rare dans notre système de justice, Ève-Marie, le jury a recommandé la sentence maximale de 25 ans. Donc, on connaîtra d'autres détails dès 13h30 cet après-midi.
À 12h30, François Paradis veut prendre soin des automobilistes et nous demande si notre voiture est prête pour l'hiver. Parce qu'on s'offrira, oui, comme à chaque année, Pierre, une espèce de clinique de mise au point. Alors, si vous avez des questions, des spécialistes seront avec nous. On sera dans un garage pour voir à peu près à ce que votre véhicule soit en bonne forme pour l'hiver. Vous pouvez prendre mon auto pour le test? Elle n'est pas prête, hein? Mais les pneus, c'est pas fait, non. Changement d'huile, les pneus, c'est pas fait encore. Ouais. Toutes sortes de questions, oui, du genre d'un. Je vous les poserai, on trouvera des réponses également lorsque vous survoltez le véhicule d'un collègue parce que celui-ci n'a démarre pas. Est-ce que ça endommage votre batterie? Est-ce que c'est une légende urbaine? Faut-il retirer tout de suite les câbles dès que la voiture est survoltée? Oui ou non? Je dirais oui, le plus tôt possible. Et c'est non, la réponse. Ah? Non, il faut les laisser au moins 5 minutes. Ah oui? Pour faire en sorte que les batteries se rechargent. Bon. Alors, voyez-vous, il y a des petits trucs comme ça, puis votre véhicule en général, conseils pratiques, nos spécialistes sont là, mise au point d'hiver, on en parle 12h30. Merci, François, à plus tard. On l'a souvent dit, Pierre, la réforme dans l'éducation qui passe avec l'approche des projets, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Selon le Journal de Montréal, qui a parlé à plusieurs enseignants, ils refusent carrément d'appliquer la réforme. Est-ce que les élèves sont perdants dans tout ça? On pose des questions. Si vous pensez que toutes les piles se ressemblent, réfléchissez à ceci. Trafiquer les bulletins pour appliquer cette méthode d'enseignement par projet. Les enseignants préfèrent enseigner selon les vieilles méthodes. Et j'ai rencontré Robert Cadotte, psychologue. Vous allez voir, selon lui, la réforme doit avoir sa chance pour que l'enfant puisse en bénéficier. Quelle a été votre réaction aujourd'hui en apprenant que dans certaines écoles, à 80%, il y a des enseignants qui avouent ne pas respecter la réforme dans l'éducation, ne pas l'appliquer? Quelle est votre réaction? D'abord sceptique là, sur le 80%. Je sais qu'il y a des professeurs qui passent à côté, puis je ne suis pas nécessairement en désaccord avec eux, ça dépend. Il y a des critiques que les syndicats apportent qui sont intéressantes. Mais je voudrais d'abord y aller sur un point où ils se gourent complètement. C'est quand ils disent que les vieilles méthodes étaient meilleures que la réforme. Vous savez, moi j'ai 60 ans. La première fois où j'ai entendu ça en 1960, quand le frère Untel est arrivé, puis il a dit « c'est effrayant le français ». Des Québécois, des petits Québécois, c'est l'horreur totale. Ils donnaient des exemples, comme dans le journal ce matin. T'sais. Puis après ça, en 75, Lysiane Gagnon est arrivée, puis c'était encore pire. Là. Puis après ça, Michel Ouimet, dans les années 90, là, c'était encore pire. Puis on doit être vraiment là, dans le trou du trou. Mais c'était les vieilles méthodes. Mais pourquoi passe pas la réforme? Pourquoi personne l'aime? Oui, mais attendez, là, ça conduit à 40% de décrochage à CSDM, les anciennes méthodes. C'est pas vrai que personne l'aime. Il y a des professeurs qui adorent ça. Les professeurs qui adorent ça, c'est ceux qui ont expérimenté, par exemple, là, la fameuse pédagogie de projet. Vous savez, quand vous concevez l'étudiant comme un entonnoir dans lequel vous déversez de la matière, à un moment donné, l'étudiant, ça rentre pas, puis c'est ennuyant, puis bon, c'est pour ça que ça décroche. Si l'étudiant est en démarche pour aller chercher les mêmes informations, par exemple, faire une exposition pour les parents, pour la géographie du Canada, bien, il va se forcer, ça va être effrayant, il va les connaître, ces océans, mais il va travailler deux fois plus fort. Et ça, les professeurs qui parlent le matin dans le chose n'ont jamais manifestement expérimenté ça parce qu'ils seraient des vendus à ça. Il faut donc laisser un peu de temps à la réforme, selon vous, là, pour que tout le monde puisse l'appliquer correctement? L'erreur majeure, c'est la formation. Dans les faits, on n'aurait peut-être pas eu besoin de la réforme si on avait fait de la formation plus sur ce qui nous manquait. Et notamment, c'était le type de pédagogie qu'on utilisait avec les élèves. Il est important de les rendre actifs dans le... Vous-même, je suis certain que quand vous êtes en recherche, vous travaillez fort. Et quand quelqu'un vous déverse, comme la télévision, mettons, par exemple, ouais, vous déverse l'information, vous vous endormez à un moment donné. Oh, c'est trop. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait fonctionner le cerveau très, très bon niveau quand vous faites juste assimiler puis écouter. Il est important d'être actif. Et ça, c'est l'essentiel, à mon avis, de la réforme actuellement. Merci beaucoup. Bienvenue. La parole maintenant à Joanne Fortier de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour, Mme Fortier. Bonjour, Mme Lortie. Vous répondez quoi, vous, aux profs qui décident de ne pas appliquer la réforme? Bien, d'abord, de vous dire que je conteste le fait que 80% n'appliqueraient pas la réforme. Là, moi, je suis persuadée que... on applique les programmes, mais par contre, ça fait déjà quelques années, je dirais, que les enseignants ont recentré leur approche pédagogique vers un enseignement plus systématique. Et contrairement à M. Cadotte, je dirais que la pédagogie de projet, c'est pas nécessairement une pédagogie appropriée pour tous les élèves et pas nécessairement une pédagogie qui est bonne pour tous les contenus qu'on a à enseigner. Mais ce qu'on démontrait aussi, c'est que quand la porte de classe se ferme, le professeur qui est devant son groupe fait bien ce qu'il veut. Puis on apprend aussi, avec ce que le Journal de Montréal a fait, c'est que certains enseignants vont jusqu'à donner un B à tout le monde au niveau de l'approche par compétence que tout le monde passe.
Mais là, je vous dirais que c'est limité. Là. C'est un cas, deux cas, et on généralise. Alors ça, c'est un gros défaut, je dirais, de l'article de ce matin, parce que ce n'est absolument pas documenté à savoir ce que les profs enseignent. Quand la porte est fermée, oui, j'ai mon autonomie que je dois exercer, mon jugement critique. En même temps, je dois vous dire qu'on a beaucoup de récriminations sur la façon d'évaluer. Ça, c'est vrai, parce que même si on est conscient que pour acquérir des compétences, je dois avoir un bon niveau de formation au niveau de mes connaissances, quand j'arrive pour les évaluer, on m'empêche d'évaluer comme telle les connaissances. Donc, il y a vraiment un discours contradictoire. L'école doit s'assurer qu'il y ait vraiment une acquisition maîtriser les savoirs, maîtriser les apprentissages, mais en même temps, on refuse l'échec. Ça, c'est une aberration. L'élève, on doit être capable de le situer dans son apprentissage, dire cet élève-là progresse très bien, réussit très bien, mais il y a des élèves qui ont des échecs et on doit l'admettre et c'est ce qu'on ne nous permet pas de faire actuellement là, dans les bulletins. Et l'objectif, c'est de contrer le décrochage. Il y en avait des décrocheurs avec la vieille méthode, si on veut. Qu'est-ce qui garantit qu'avec cette réforme, les jeunes vont rester peut-être plus longtemps à l'école? Bien, je vous dirais qu'actuellement, avec les ratés que nous voyons dans cette réforme, c'est pour ça que nous demandons pas de revenir en arrière complètement, mais d'être capable de faire un débat, une réflexion pour ajuster le tir. Parce qu'actuellement, il y a des ratés. On l'a déjà prouvé même à parler le propre sondage du ministère de l'Éducation, là, qui témoigne qu'il y a une baisse dans les résultats scolaires dans les épreuves de français, mathématiques, sciences, là, par rapport aux élèves qui n'ont pas eu la réforme par rapport à après-réforme. Et ça, c'est inquiétant et c'est dérangeant. Alors, ça me semble tout à fait raisonnable de dire, écoutez, là, on doit prendre un temps pour pouvoir réfléchir, de revoir les programmes pour voir si ça nous amène à des correctifs importants pour s'assurer qu'il y ait vraiment une amélioration dans les apprentissages des élèves. Oui, et justement, c'est l'élève qui est au centre de tout ça et tous les intervenants doivent s'en souvenir. Merci beaucoup, Mme Fortier. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Demandez. Demandez à un expert. Demandez-lui! Demandez. Demandez-lui qu'il vous parle de Célébrex. Demandez à votre médecin qu'il vous parle de Célébrex. C'est lui l'expert. Bon, faut commencer à travailler en équipe. Toi, je t'ai confié le balayage, mais faut plus que ça. J'ai besoin d'un joueur capable de tout. La vitesse, la souplesse, la puissance. Alors, je fais appel à un petit nouveau. Prenez l'instrument capable de tout nettoyer. Le Swiffer Sweeper Vac. Son linge sec Swiffer attrape les petites saletés et son aspirateur ramasse les gros morceaux. C'est mieux qu'un balai et un porte-poussière. Au travail, mon grand. Swiffer redonne au ménage son sens propre. On peut s'entendre autrement. Une mère de famille prise dans les griffes d'un Shylock. Retour en cours de Daniel Patry, reconnu coupable du meurtre de Pierre et Gimbald. Il connaîtra sa sentence cet après-midi. Justice sera enfin rendue pour Simon Marshall. Il obtiendra une compensation pour son emprisonnement injustifié. Ce jeune homme-là est maintenant beaucoup plus affecté qu'il ne l'était avant sa détention. Bonjour Yves-Marie. Bonjour Pierre. Parlons tout de suite de cette tragédie routière du côté de la Montérégie. Trois jeunes qui étaient dans un véhicule qui aurait, semble-t-il, effectué un dépassement illégal. C'est bien triste ce qui s'est passé à Sainte-Martine. Deux jeunes qui ont été tués, un autre gravement blessé. Ils étaient tous dans une même voiture. Ils ont été impliqués dans une collision. Jean-François Guérin, c'est une manœuvre dangereuse qui aurait provoqué l'accident? Selon les éléments effectivement fournis par la Sûreté du Québec, cet accident-là qui s'est produit vers 23h, route 138 à Sainte-Martine, près de Châteauguay. Effectivement, dans une courbe, dans une zone où les dépassements sont interdits, le véhicule dans lequel prenaient place les trois jeunes aurait fait une manœuvre de dépassement. Il y aurait eu perte de contrôle, se serait retrouvé en travers de la route et a été percuté par un véhicule venant en sens inverse dans lequel il y avait deux dames. Parlons d'abord du véhicule des trois jeunes. Le conducteur et le passager arrière ont été éjectés et sont morts sur le coup. L'autre passager, le passager avant, a été grièvement blessé. Dans l'autre véhicule, les deux dames qui y prenaient place ont aussi été sérieusement blessées.
Eve-Marie, on peut mettre à cette heure-ci des visages sur cette tragédie-là. On parle du conducteur du véhicule qui était Carl Coallier, que vous voyez ici en compagnie de ses deux jeunes enfants. Je vous précise tout de suite que la famille a tenu à ce qu'on montre cette photographie-là pour montrer qu'il était un bon père de famille, c'était un électricien. Et également dans le véhicule, Maxime Rochefort à la gauche sur cette photo-là, âgé de 18 ans. Et Carl Marcil, je vous précise que Maxime est décédé, et Carl Marcil à droite, âgé de 16 ans, qui lutte toujours pour sa vie dans un hôpital. Il semble que les trois jeunes s'étaient rendus dans un resto-bar de Châteauguay pour voir la partie de hockey hier soir. Auraient fait quelques arrêts en cours de route, le dernier, quelques minutes à peine avant l'accident. Je vous laisse entendre une jeune femme qui se trouvait avec eux, pas dans le véhicule, dans un autre véhicule, mais qui avait passé la soirée avec eux. Par la suite, on a entendu deux gars rentrer dans le bar en criant « un accident, deux morts ». On a regardé l'heure, ça faisait 5 minutes qu'il était parti. Fait que là, on est allé sur les lieux. Puis là, on a vu deux sacs à poubelle jaune avec des corps dedans. Puis là, on a remarqué que c'était l'auto de Carl. Tout le monde se connaît là-bas à Saint-Chrysostome, Jean-François. Tout le monde est ébranlé. Oui, il faut le préciser que ce sont trois jeunes de la petite municipalité de Saint-Chrysostome qui est située à une vingtaine de minutes ou à peu près de Sainte-Martine, donc ils étaient très près de la maison. Et vous le voyez ce matin dans un restaurant du village, les scènes d'émotion se succédaient, tout le monde était sous le choc, tout le monde connaît, sinon les jeunes, du moins leur famille, et ça touchait vraiment tous les gens dans le village. Ma collègue Marie-Christine a rencontré quelques résidents ce matin. On est là pour les familles, c'est tout de nos clients à nous, puis moi je suis en affaires ici depuis 40 ans. Fait qu'alors, dans une petite municipalité comme nous, quand ça arrive, là, c'est des choses qui nous bouleversent. Il n'y a déjà pas trop de jeunes. Quand il arrive des accidents comme ça, ça nous affecte vraiment, toute la communauté est vraiment affectée. C'est pour les parents, c'est de valeur. Ça ne devrait pas arriver, ces choses-là. On a beau lui répéter, faites attention, la vitesse, mais je ne sais pas si c'est une cause d'adrénaline ou qu'est-ce qui se passe, mais... Des fois, là, tu trouves ça triste, par contre. Alors, c'est la Sûreté du Québec qui verra mettre au clair toutes les circonstances entourant cette tragédie. Il y aura analyse toxicologique sur le corps du conducteur, là, Carl Coallier, pour savoir s'il était en état d'ébriété au moment de l'accident. Merci, Jean-François. Au revoir. C'est en début d'après-midi que Daniel Patry, qui a été reconnu coupable du meurtre non prévédité de Pierre Régimbald, le marionnettiste de Passepartout, va recevoir sa sentence. On joint Joël Goulet. Joël, d'abord, on a appris qu'il a tenté de s'enlever la vie la nuit dernière. Tout à fait, Pierre. La nouvelle a été dévoilée par notre collègue Claude Poirier un peu plus tôt ce matin. Daniel Patry, effectivement, a tenté de mettre fin à ses jours tard hier soir, donc en début de nuit, à la prison de Rivière-des-Prairies, où il est détenu depuis maintenant 2 ans et demi. Selon nos informations, Patry aurait avalé un cocktail de médicaments. Toutefois, également selon ce que nous avons appris, il n'a pas eu à être transporté par ambulance à l'hôpital, a été traité sur place à l'infirmerie de la prison. Toujours est-il qu'il se porte bien. Preuve, il était même présent ce matin au Palais de justice de Longueuil, là, lors de la suite des représentations sur sentence. Semblait agité, mais tout de même dans un état normal. On s'est entretenu il y a quelques minutes avec son avocate qui nous parle justement de l'état de Daniel Patry. On peut l'écouter. Monsieur Patry semble bien se porter. Ce matin, il est à la cour tel que prévu. Alors, j'ai pas plus de détails sur quoi que ce soit. Et j'ai abordé un peu la question avec Monsieur Patry. J'ai pas eu énormément de détails. Il m'a dit qu'il va bien ce matin et qu'il était prêt à recevoir sentence ou jugement. Bon, et Joël, un dernier témoin a été entendu ce matin et ça n'a pas aidé sa cause du tout. Exactement. Écoutez, il s'agit de Louise Dauphinet, qui est psychologue au pénitencier de Drummondville. À 7 reprises, Pierre, elle a rencontré Daniel Patry entre avril et août 2003. Donc, c'est 1 an avant le meurtre de Pierre Régimbald. Et déjà, elle parlait d'un risque de récidive élevé. Elle a même qualifié Patry de bon barrateur de main. Elle a également mentionné que dans les moments de grande tension, Patry pouvait s'en prendre à autrui ou encore à lui-même. Et on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé naturellement la nuit dernière, alors que Daniel Patry a tenté de mettre fin à ses jours. Bon, et vous qui couvrez la scène judiciaire, un fait assez rare dans notre système de justice, le jury qui recommande la sentence maximale qui est de 25 ans. Exactement. Voilà pourquoi le ministère public, lui, recommande au moins 20 ans ferme avant que Patry soit admissible à une libération conditionnelle. Franck Charbonneau va rendre sa décision à 13h30 cet après-midi. Merci, Joël. Au revoir. Au revoir. Et puis à Québec maintenant, l'affaire Simon Marshall va bientôt connaître son dénouement. Marshall, c'est ce jeune homme qui a purgé, justement, je vous le rappelle, 5 ans de prison. Robert Plouffe a appris hier que le rapport sur les indemnités à lui versées sera complété dans quelques semaines, finalement. Un rapport qui doit, entre autres, prendre en considération que cette longue détention a détruit la vie de M. Marshall.
Il y a plus d'un an, Simon Marshall passait de coupable à victime. Le jeune homme de 31 ans, souffrant d'une déficience intellectuelle, était blanchi pour des crimes à caractère sexuel. Il avait purgé injustement 5 ans de prison. Le ministre de la Justice, Yvon Marcoux, avait confié au juge à la retraite, Michel Proulx, le mandat de fixer les indemnités à verser à Simon et à sa famille. Malheureusement, l'état de santé du juge Proulx a retardé le dépôt du rapport attendu pour la fin de l'été. Il y avait une inquiétude qui se manifestait de la part des parents, puis maintenant, ils sont rassurés de savoir qu'il y a une étape qui est franchie et que le rapport pourrait être déposé dans quelques semaines. L'avocat de la famille Marshall s'est fait confirmer par le ministère de la Justice que l'assistant du juge Proulx, maître Pierre Simon, procédera à la rédaction du rapport. Maître Simon a toujours été là à toutes les étapes des procédures et Simon Marshall a été évidemment rencontré par et le juge Proulx et Pierre Simon. À quoi peut ressembler une indemnité juste et raisonnable pour un jeune homme qui a subi de très lourds préjudices en prison? Simon, déjà hypothéqué dans son équilibre mental, a dû endurer des sévices physiques et moraux très graves. Ce jeune homme-là, suivant les experts, les psychiatres, ce jeune homme-là est maintenant beaucoup plus affecté qu'il ne l'était avant sa détention. La preuve révèle, ça a été fait devant le juge Proulx, là, avec les psychiatres à l'appui, il est détruit et il y a un lien direct avec son emprisonnement. Depuis sa sortie de prison, il y a plus d'un an, Simon Marshall est hospitalisé à l'Institut Robert Giffard. Il a droit à une visite hebdomadaire chez ses parents, mais dorénavant, Simon est incapable d'évoluer seul dans la société. Tout ça sera pris en considération dans le rapport de Maître Pierre Simon. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Une grande enquête internationale menée par plusieurs journaux à la veille des élections mi-mandat aux États-Unis démontre que le président Bush est plus que jamais contesté. Les politiques du président américain passent mal dans l'opinion publique, c'est ce que démontre un sondage mené à l'initiative du quotidien La Presse dans 4 pays alliés, dont le Canada. George Bush est considéré dangereux par 58 % des Mexicains, 41 % des Britanniques, 34 % des Canadiens et à peine 9 % des Israéliens. Majoritairement, dans tous ces pays, on dit que la politique étrangère de M. Bush a contribué à rendre le monde moins sûr. Tous ces pays disent que les États-Unis n'avaient pas raison d'envahir l'Irak, sauf Israël, qui dit oui à 59 %. 1000 personnes ont été interrogées dans chaque pays pour ces sondages. François Gagnon, de bonnes nouvelles en ce qui concerne le taux de chômage. Au Québec, comme au Canada, il est en baisse, semble-t-il. Oui, effectivement. Il y a des bonnes, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles là-dedans, là, parce qu'on sent que la population active au Québec est en train de baisser, tout comme en Ontario, d'ailleurs, et ça commence à croître pas mal dans l'Ouest. Donc, au Québec, le taux de chômage, qui a quand même diminué à son plus bas niveau au cours des 30 dernières années, il s'est créé de l'emploi, plus de 7 000. Malheureusement, il s'est perdu quand même 8 000 emplois à temps plein dans le secteur manufacturier avec toutes les mises à pied qu'on a annoncées au cours des dernières semaines. Au Canada, 50 500 emplois, dont près de 23 000 en Alberta. Vous voyez que le boom, encore une fois, dans le secteur pétrolier continue d'aider la progression là-bas. Merci, François. Merci, au revoir. La peur de la grippe aviaire fait l'affaire de plusieurs commerçants sur Internet. Plusieurs entrepreneurs profitent de la menace d'une pandémie pour vendre sur le net toutes sortes de produits et d'objets qui prétendent protéger contre un virus qui n'existe même pas encore. Annie Gagnon de GIA est avec nous. Annie, votre enquête nous montre qu'il y a toutes sortes de gadgets inutiles à vendre. Oui, effectivement, on vend toutes sortes de produits, des produits exactement qui on prétend ou se protéger contre un virus qui n'existe pas. On parle de médicaments, de produits naturels, de purificateurs d'air à 700 $, même des scaphandres. C'est utopique de penser que les gens vont se promener dans la rue habillés en astronaute, en quelque sorte, farfelu, alors qu'il y a d'autres produits qui sont carrément dangereux. On pense entre autres aux médicaments, des médicaments, un, qui ne servent à rien, qui coûtent très cher, et deuxièmement, qui peuvent avoir des effets secondaires qui sont potentiellement dangereux pour votre santé. Donc, vous mettez votre santé à risque si vous achetez ces médicaments-là. On peut écouter un extrait du reportage de mon collègue Dominique Trossier. En tapant « grippe aviaire » sur Internet, on trouve des millions de sites en une fraction de seconde. Certains de ces sites proposent des produits pour soi-disant prévenir ou guérir la maladie. Produits naturels, médicaments, scaphandres. Nous avons constaté que la grippe aviaire est aussi utilisée par plusieurs compagnies pour vendre des purificateurs d'air. Sur ce site, on prétend que ce système de filtration est efficace contre le virus H5N1, la souche la plus virulente de la maladie. Le produit se vend 500 €, c'est-à-dire environ 700 $ canadiens.
Ici, il est écrit qu'il neutralise l'action des microbes et virus en modifiant leur ADN. Quand ça paraît trop beau, si on vous dit 100% d'efficacité et on vous donne une liste de microbes d'à peu près 20 pages de long, je pense que la première chose qu'il faut vous faire, c'est vous méfier. Nous avons aussi trouvé de nombreux sites vendant des lunettes qui protégeraient les yeux contre le virus de la grippe aviaire. Est-ce que des lunettes peuvent aider à prévenir davantage la grippe aviaire? Non, en réalité, d'aller acheter des lunettes de protection dans le contexte de grippe aviaire, c'est un petit peu inutile. La grippe est d'abord et avant tout un virus respiratoire. Donc, ce qui est vraiment utile, c'est de protéger vos voies respiratoires, votre nez, votre bouche. Actuellement, il n'y a aucun produit qui est autorisé par Santé Canada pour prévenir ou guérir de la grippe aviaire. Le fameux médicament Tamiflu. Mais écoutez, il faut faire attention parce que sur Internet, on vend beaucoup de copies du fameux médicament Tamiflu. Sachez que la seule façon d'obtenir le Tamiflu, c'est par ordonnance d'un médecin à la pharmacie. Alors, ce soir à TVA. Complet reportage à 19h. Merci. Merci, Annie. Ici Richard Latendresse à Alexandrie, en Virginie. Ces élections de mi-mandat, pour bien des gens, c'est pas assez de ci et trop de cela. Pas assez d'argent dans leur poche, certainement. Trop d'immigrants dans les rues, certainement. Trop de scandales et trop de soldats tués en Irak. Les enjeux de cette campagne électorale aux États-Unis, ce soir, au TVA de 22h. Parlons de la pollution et des pratiques de pêche intensives qui sont en train de vider nos océans à tel point que tous les poissons et fruits de mer pourraient disparaître d'ici une quarantaine d'années. C'est la conclusion alarmante d'un rapport qui paraît aujourd'hui dans le journal Science, une étude préparée par un éminent professeur en Nouvelle-Écosse qui précise que 40% des espèces pêchées au fil des années étaient disparues en 2003. Les bébés communiquent par le toucher. Les nouvelles Sensitive de Pampers aident à maintenir la sensation de douceur de la peau de bébé à chaque utilisation. Les débarbouillettes Sensitive de Pampers. Cet endroit, on va en parler à l'émission. On reçoit Frédéric Guichard, président de l'atelier Presse-Papier. On est en campagne de financement. Une maison pour accueillir les personnes en crise. On en parle avec Chantal Carignan. Chantal, c'est une ressource unique au Québec, mais on affiche complet plus souvent qu'à notre tour. Patricia, à l'heure où on se parle, il y a 5 personnes actuellement qui sont hébergées à cette maison, la maison L'Acalmie au centre-ville de Trois-Rivières. 5 personnes qui, s'ils n'avaient pas eu cette ressource, eh bien pour elles, il y aurait eu de bonnes chances de passer à l'acte. C'est donc dire que cette ressource, elle est vitale. Et avant-hier, par exemple, il y avait 9 personnes qui étaient à L'Acalmie. On affichait alors complet depuis février dernier, depuis le 20 février qu'on a ouvert. 98 personnes sont passées par L'Acalmie. Elles ont réussi à prendre le dessus grâce aux intervenants et intervenantes de cette maison. Et l'un d'eux, le coordonnateur des intervenants, nous explique que quand elles arrivent, vraiment, elles sont au bout du rouleau. Il n'y a plus rien à faire. Il faut vraiment les prendre en charge et je vous laisse l'entendre. Tous les moyens directs sont éliminés. D'ailleurs, c'est pour ça que nous gérons la médication de ces gens-là, qui est dans l'armoire en arrière. Et les couteaux, tout autre objet qui peut servir de moyen de passage à l'acte sont consignés dans un casier au nom de la personne du résident ou de la résidente qui fait appel à nos services. Chantal, les dirigeants de la maison ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Là, on a besoin d'une campagne de financement. Ben oui, après 8 mois de fonctionnement, on arrive déjà à un constat. Il y a un trou de 35 000 $ dans les budgets. Donc, on s'organise, on va avoir des conférences, on va avoir des soupers spaghettis, en fait, toutes sortes d'activités. Les gens seront sollicités même chez eux par des lettres. C'est ce que nous explique d'ailleurs la présidente du conseil d'administration de l'Acalmie. Les besoins d'un organisme communautaire ne sont pas comblés tout à fait par les budgets qui viennent de l'Agence de santé. Alors, on a un engagement à procéder à nos propres activités de financement pour pouvoir compléter le manque à gagner dans nos exercices budgétaires. Et Patricia, si on parle de statistiques, là, vous savez qu'au Québec, on a le triste record de l'endroit où dans le monde on se suicide le plus. Ça représente 17 suicides par tranche de 100 000 habitants. Et en mort ici, tenez-vous bien, ça bondit ça à 26,4 suicides par tranche de 100 000 habitants. On veut renverser la vapeur.
Merci, Chantal. Au revoir. Au revoir. Et c'est le sujet de notre question du jour. Est-ce que le gouvernement devrait financer à 100% les maisons d'hébergement comme la Calmy? Pour répondre, vous vous rendez sur notre site Internet hm.tva.ca. La famille Boulay de Saint-Tite a reçu un très bel hommage hier soir à Saint-Hyacinthe. C'est le prix Hommage 2006 qui a été remis par la ministre du Tourisme, Françoise Gauthier. C'est dans le cadre du congrès annuel de la Société des attractions touristiques du Québec. Les trois frères Rénald, Robert et Roger Boulay ont reçu le prix pour avoir fondé le Festival Western de Saint-Tite. On sait que le festival n'était à l'époque qu'une activité de promotion pour mousser la vente de bottes Western de l'entreprise familiale. C'est Rénald Boulay qui a reçu le prix pour ses deux frères maintenant décédés. Guy Boulay, le fils de Roger, de même que le président de la dernière édition, André Boulay, était aussi présent. La semaine de l'Halloween, il n'y a pas que des sorcières dans les rues de Trois-Rivières, il y a aussi plusieurs fêtards. En fait, peu de gens le savent, mais la criminalité augmente à l'approche de l'Halloween. Mes collègues Daniel Thibodeau et François Cormier se sont donc transformés en oiseaux de nuit. Question de vérifier la théorie. Vers 1h50, l'activité policière commence. Un homme est intercepté pour excès de vitesse. À 2h45, c'est la Sûreté du Québec qui fait une apparition surprise à l'entrée de l'autoroute 40. Mais c'est la fermeture des bars qui est la plus mouvementée. Quelques altercations ont lieu, dont une importante bagarre entre ce jeune homme et une poubelle. Pas de dégâts importants à signaler, à peine quelques bouteilles de vitres brisées et une bonne frousse pour vos humbles serviteurs. Ces jeunes tentent de nous intimider. Dans le secteur Pointe-du-Lac, un conducteur ne négocie pas sa courbe comme il le faudrait. Sa voiture se retrouve dans le fossé. Une première nuit intéressante qui nous incite à répéter l'expérience le lendemain. Encore là, un début tranquille. Un seul événement à signaler, une prostituée attend ses clients dans le quartier Sainte-Cécile. La présence de notre caméra dérange, nous préférons donc arrêter de tourner. Puis direction autoroute 40, une automobiliste heurte une barrière sur l'accotement. L'état des blessés, c'est quoi? Il y avait deux passagers à l'intérieur du véhicule, c'était simplement là, des blessures mineures. À votre place... Vers 3h30, les policiers reçoivent l'appel d'un homme qui se fait tabasser à l'intérieur d'un appartement. Une soirée entre amis bien arrosée qui a tourné en bagarre. Il refuse d'être touché par les ambulanciers, se montre hostile. Les policiers décident donc de l'embarquer. Je pense qu'on aura pas mal encore pour le restant de la nuit. Oui? Oh oui. Au début de mois, ça ressemble pas mal à ça. C'est le genre d'appel qu'on est confronté. Bien sûr, il y a des jours plus occupés, mais ces deux nuits auront été parsemées de petits événements qui ont tenu les policiers éveillés. François Cormier, TVA. Trois-Rivières. Ce reportage a suscité vos réactions. Entre autres, il y a Jean qui nous écrit que si les mères demeuraient à la maison avec leurs enfants, on aurait sûrement une toute autre jeunesse. L'argent que le gouvernement met dans les garderies pourrait donc être remis aux mères à la maison qui élèvent leurs enfants. Hausse du taux de chômage en Mauricie pour le mois d'octobre, il se situe à 8,7%. C'est une hausse de 5 dixièmes de points par rapport à pareille date l'année dernière. Le nombre de travailleurs est passé de plus de 120 000 à 116 500. Enfin, le nombre de chômeurs a également augmenté de 400 par rapport à 2005. Le nombre de patients à l'urgence de Trois-Rivières a explosé. Il y a actuellement 70 personnes sur civière. 6 d'entre elles sont en attente d'être hospitalisées depuis 48 heures. La direction de l'hôpital suggère fortement à la population de se diriger vers d'autres établissements pour des consultations. Au cours de l'année dernière, l'achalandage à l'hôpital est passé de 46 000 à 52 000. Si vous êtes choqué que vos jeux vidéo favoris soient en anglais, en allemand, en espagnol, mais pas en français, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Il y a des milliers de personnes dans la même situation. C'est pour cette raison-là que la Société Saint-Jean-Baptiste défend la cause du français dans les jeux vidéo. Avant même de commencer leur cours d'anglais, les enfants ont souvent joué dans cette langue, puisque la grande majorité des jeux vidéo qui occupent leur temps libre sont en anglais. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel... Seulement 39% des jeux les plus vendus ici sont en version française. Il n'y en avait que 10% l'an dernier. Pourtant, en France, 80% des jeux les plus populaires sont déjà offerts en français. Le studio décide de considérer le marché nord-américain comme étant un marché unilingue anglophone. Le jeu existe déjà en français, mais la piste sonore française n'est pas mise sur le disque nord-américain. Autre preuve que ces jeux sont disponibles en français, la fille de Mme Jeannine Trépanier en fait la traduction à Paris. Mais ça ne prend pas très plus depuis un an. Et puis depuis 6 mois, elle traduit pour différentes compagnies, en particulier pour la compagnie Sony. Elle traduit pour les jeux vidéo.
et aussi les consoles de jeux. C'est pour combattre la primauté de l'anglais dans les jeux vidéo au Québec que la Société Saint-Jean-Baptiste en a fait le thème de son 23e concours, le français à l'affiche. Les termes que l'on lit concernant les instructions des jeux, souvent les jeunes réutilisent ces termes-là, mais les utilisent en anglais et non en français, mais ils ne connaissent pas le terme en français. Il ne faut pas croire que les consommateurs restent indifférents à cette situation. Seulement au cours des 6 derniers mois, l'Office de la langue française a traité 12 000 plaintes en rapport avec le sujet. Les pressions du public, dit-on, vont contribuer à faire progresser la situation du français dans le domaine. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Les propriétaires de maisons de Trois-Rivières n'auront pas à courir à l'hôtel de ville pour savoir ce qu'est leur nouvelle évaluation municipale. Elle va leur être envoyée par la poste dans les prochains jours. Comme TVHM l'avait révélé avant-hier, la hausse de la valeur des propriétés est historique pour Trois-Rivières. Elle augmente en moyenne de 33 % et dans certains cas, elle touche même les 100 %. C'est maintenant l'heure de rejoindre Claudia Caron pour les suggestions de sortie. Claudia, il y a une grande dame de la chanson qui s'arrête à la salle Thompson cette fin de semaine. Oui, et ce, trois fois plutôt qu'une. Il s'agit de Ginette Renault. Qui est tout l'automne en tournée un petit peu partout au Québec. Alors, il faut dire qu'elle est vraiment toujours aussi populaire, puisque à tous les endroits où elle arrête, là, elle donne au moins deux ou trois représentations de son spectacle. On la connaît très solide sur scène, donc personne ne devrait être déçu à la salle Thompson. Dans un tout autre registre, l'humoriste Jean-Thomas Jobin, véritable maître de l'absurde, s'arrête au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Impossible de ne pas être charmé par ses réflexions. Tantôt spéciales, mais toujours surprenantes, c'est à voir ce soir à 20h. Et du côté de Dufèvre, c'est Jamil qui va fouler les planches du Théâtre Bellecour. Il y avait déjà fait escale en 2005 et on nous dit qu'il avait complètement déstabilisé la foule. Eh bien, il est de retour et ce, après un court séjour en France où il a donné 20 représentations de son spectacle à Paris. Spectacle provocant qui se nomme d'ailleurs Pitié pour les femmes, ça promet. Et samedi, il y a l'humour qui est à l'honneur, donc du côté du Centre des arts de Shawinigan. Avec le jeune humoriste Dominique Paquet, vous savez, on le connaît très bien, Trois-Rivières, puisqu'il a collaboré pendant 3 ans à l'émission du matin d'Énergie 102.3 Mauricie. Donc, après avoir assuré les premières parties de Louis-José Houd et de Patrick Groulx, il s'arrête seul à Shawinigan avec son premier one-man show qu'il roule depuis l'été 2005. À la cathédrale de Trois-Rivières, samedi, le Chœur des petits chanteurs vous propose le majestueux Requiem de Mozart. Leur directeur musical qui célèbre d'ailleurs ses 50 ans à la barre des petits chanteurs. C'est un moment inoubliable à aller le voir. Du côté de la pierre angulaire, c'est la conteuse comédienne Anne Tessier qui se produira. Et finalement, l'ensemble vocaliste présente dimanche son spectacle Les multiples visages de la chanson au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'est un très bel ensemble musical qui est dirigé par Raymond Perrin. C'est à voir ce dimanche. Merci beaucoup, Claudia. Bon week-end. Au revoir. Et à la météo, bien c'est nuageux avec des percées de soleil aujourd'hui, maximum de 4 degrés à Trois-Rivières, de 2 degrés seulement à La Tuque. D'ailleurs, à La Tuque, il y a risque d'averse de neige. Ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec minimum de moins 2 à Trois-Rivières, de moins 5 à La Tuque. Et pour demain, on devrait avoir de belles percées de soleil avec un 3 degrés. Voilà, c'est ce qui complète cette édition midi du TVA Régional. On se retrouve ce soir au TVA 18h. Bon après-midi. Québec. Salut Pierre. Bonjour. On l'avait fait l'année dernière. Il y en avait eu des questions, puis il y en avait eu des réponses. Puis celui qui nous aidait l'année dernière, qui est encore notre tandem pour notre mise au point d'hiver, Jean-Guy Roy, qu'on va rejoindre également, qui est CD Arnais, pneus et mécanique. Salut Jean-Guy. Salut François. Jean-Guy, on est privilégié parce qu'on est dans votre environnement, puis on va ensemble y aller par trois sections très précises. Absolument. La première, on va déjà aborder l'élément majeur, l'élément moteur d'une mise au point d'hiver. C'est tout le segment des pneus, comment la voiture sera chaussée le reste. Surtout qu'on soit en sécurité pour l'hiver. Alors, montrez-moi des choses, Jean-Guy, puis à travers ça, des appels et des courriels. Oui, absolument, François. Premièrement, si on décortique le pneu 4 saisons versus le pneu d'hiver, on voit déjà à première vue, un pneu d'hiver a beaucoup plus de lamelles, donc il reste avec sa flexibilité et améliore l'adhérence, surtout au freinage. Parce que c'est important d'avancer, mais c'est important aussi de s'arrêter. Mais si on a le pneu approprié à notre véhicule, pourquoi qu'il se fait beaucoup de modèles de pneus?
Donc, il faut magasiner notre modèle de pneus par rapport à notre véhicule, notre dimension de pneus, et qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule. Jean-Guirois, oui. Il y a une question qui revient souvent, vous l'avez reçu par courriel déjà, puis M. Baudouin ne gêne pas pour intervenir, mais c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on voit demander les pneus à neige, pneus à glace, on ne sait pas, je prends quoi, moi, où je suis, là. Mais François, la tendance dans le marché présentement, on sait qu'on a beaucoup de grandes dimensions sur nos véhicules, que ce soit de 16, 17, 18 pouces, avec des semelles qui sont très larges. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à avoir l'hiver? C'est de le plus étroit possible pour que notre poids du véhicule soit réparti sur une moins grande surface lorsqu'on vient pour freiner. Deuxième des choses, on a le pneu, la tendance dans l'industrie, on voit des pneus qui sont de plus en plus unidirectionnels, qui veut dire qu'il y a un sens de rotation. Fait que ça, c'est, par la force centrifuge, l'évacuation de l'eau et de la neige se fait davantage. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a toujours le meilleur contact entre la chaussée et le pneu avec des pneus de ce type de dessin de semelle. Si on regarde le 4 saisons qui est ici à côté de moi, on voit que c'est un pneu quand même que sur un pavé mouillé va faire un très bon travail. Mais juste au toucher, on voit que le caoutchouc est vraiment beaucoup moins flexible. Donc, on s'imagine que lorsqu'on va arriver à une température de moins 10, moins 15, le caoutchouc, on a juste à penser à une rondelle de hockey quand on s'amuse sur une patinoire. Qu'est-ce que ça fait? Bien, à ce moment-là, la rondelle, plus qu'il fait froid et qu'on joue au hockey, le caoutchouc, il circule bien sur la patinoire. Donc, c'est la même chose qui se produit avec vos 4 saisons. Okay. Et l'autre chose, le point important à retenir, de plus en plus de SUV dans notre parc automobile. Mais un SUV, c'est sûr qu'au niveau motricité, on est très bien équipé. On a 4 roues qui se trouvent à avoir une traction. Mais lorsqu'on vient pour freiner, on est comme une automobile. Donc, avoir de pneus d'hiver appropriés à notre véhicule, c'est la clé du succès. OK. Là, Pierre, quelque chose à ajouter? Vous prenez le téléphone, messieurs, vous allez entendre les questions. C'est un point extrêmement important. Et beaucoup de consommateurs qui vont se porter acquéreur d'un véhicule à traction intégrale ou 4 roues motrices, croyant en visualisant l'état, les pneus qui équipent leur véhicule, le pneu avec sa surface agressive va donner un bon résultat, mais malheureusement, en raison justement de l'élasticité de son caoutchouc qui est différente, on n'a pas un bon freinage, on n'aura pas une bonne adhérence en courbe. Et lorsque vous circulez sur les autoroutes, lorsqu'on a de la gadoue, des surfaces glacées, vous allez voir souvent, il y a des 4 roues motrices dans le fossé. C'est souvent ce qu'on remarque. On pêche par excès de confiance. Vous êtes prêts à répondre à des questions? On est dans notre volet pneu. Ensuite, on va faire le volet tout ce qui est de frein, suspension et le reste. On fera tout ce que sous le capot également. Vicky est de Quaticook, je lui parle. Bonjour, Vicky. Bonjour. Votre question à mes pros, ils vont essayer de répondre. Oui, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la meilleure marque? Est-ce que c'est les Goodyear, les Michelin? C'est quoi la meilleure sorte, vraiment, là? OK, Jean-Guy est en mesure de répondre. Est-ce qu'on vous entend, Jean-Guy? Oui, on entend. OK, allez-y. Il n'y a aucune meilleure marque, madame. C'est ce qu'il faut faire attention, c'est dans le choix de notre pneu. La dimension que notre véhicule est équipé et qu'est-ce qu'on veut avoir comme budget à louer à notre pneu. Parce qu'il n'a pas de mauvais pneus d'hiver, seulement de mauvaises applications. Ce qui est important à faire, c'est de choisir si on a une dimension qui est quand même moins compliquée à chausser qu'une autre sorte de véhicule. On va avoir un budget un peu plus restreint. Même dans des pneus économiques, on peut trouver le pneu qui est bien adapté à notre véhicule. Okay. C'est de poser 3-4 questions à votre conseiller de pneus, de lui demander exactement qu'est-ce que vous avez besoin comme dimension sur votre véhicule. Est-ce qu'on peut changer les dimensions aussi? Parce qu'on sait que de plus en plus de véhicules ont des roues d'alliage, des roues stylisées. On sait que ça ne fait pas bon ménage en hiver parce qu'avec le calcium, vient altérer la surface, le fini de ces belles roues. Fait que si on a changé nos roues également, échangez quelques questions avec votre conseiller. Il va être en mesure de bien vous diriger et vous donner le choix de 2-3 marques de pneus qui vont bien s'adapter à votre véhicule. Yeah. Ce qui est important, c'est vraiment, ça repose vraiment là-dessus, le choix d'un pneu, parce qu'un bon pneu, François, qui sera bon pour toi, ne sera pas nécessairement bon pour la dame qui nous appelle. OK, Pierre. En fait, toujours se rappeler que le moins bon des pneus d'hiver est grandement supérieur au meilleur des pneus 4 saisons. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose aussi, avec les voitures modernes performantes, c'est bon aussi de considérer la cote de vitesse du pneu parce qu'on peut avoir une différence au niveau du comportement routier du véhicule. OK. Voilà pour Vicky. Merci, Vicky. Je prends un autre téléphone, même si je mange un peu de temps. Il y en a trop de questions, puis il y a trop de gens qui veulent parler. André est en ligne. Salut, André. Bonjour, François. Racontez à mes spécialistes votre problème, là. Moi, je voudrais savoir, un pneu d'hiver monté sur jante, est-ce que c'est obligé de le faire balancer? Moi, on me dit que non.
Non, c'est intéressant, ça, faire balancer ses pneus, ils sont montés sur jantes, c'est-tu nécessaire? Oui, mais il faudrait faire vérifier au moins l'équilibrage, parce que c'est tout dépendant du kilométrage qu'on va avoir parcouru dans la saison précédente. Parce que le caoutchouc, on parle d'un pneu normalement de 11, 12 ou 13, 32e d'épaisseur de semelle quand, lorsqu'il est neuf. Si on a parcouru une saison de, je sais pas, 10, 15 000 km, on va avoir grugé notre pneu d'hiver d'environ 3, 4, 32e, tout dépendant du sort de caoutchouc qu'on va avoir choisi. Ce qui est bien important, faire équilibrer notre pneu parce que pour ne pas se commencer avec des usures en dents de scie qu'on appelle. Fait qu'un pneu qui va dribbler sur la chaussée va user prématurément et on va être appelé à faire un remplacement de pneumatique beaucoup plus vite qu'on aurait dû le faire. Donc, faites vérifier les équilibreurs. Ça se vérifie très bien sur les équipements qu'on a. On se trouve à balancer le pneu, à équilibrer le pneu. Et on voit par notre écran si le point le moins pesant de la roue par rapport au point le moins pesant du pneu. Parce que veut pas, un pneu, c'est rond, mais ça ne juge pas uniformément de toute manière. Et le poids de votre roue est balancé quand c'est neuf, mais avec les contre-coups de l'état de nos routes, on sait très bien qu'à un moment donné, on a besoin de reviser l'équilibrage de nos roues. Ah, monsieur, je vous coupe un petit peu, puis je m'en vais à la pause là-dessus, mais je vois le pneu que tu nous montres, Jean-Guy, là, c'est un pneu à profil bas, ça. Y a-t-il des pneus divers qui se font à profil bas comme ça? Oui, c'est un pneu de performance qu'on est en train d'équiper. C'est un pneu asymétrique. Donc, on voit que la bande de roulement est vers l'extérieur et l'évacuation se fait par l'intérieur. Ça fait que c'est un pneu, au lieu d'être unidirectionnel, lorsque, comme on montrait tout à l'heure, ça, on appelle ça un pneu asymétrique. On rencontre ce type de semelle-là de plus en plus sur les pneus de performance. Parce qu'on sait qu'également en hiver, comme Pierre Beaudoin du CA le mentionnait tout à l'heure, avec les codes de vitesse, les véhicules qui sortent, des véhicules plus exotiques un peu, vont demander des pneus un petit peu plus particuliers. Okay. Donc, l'industrie du pneumatique s'est adaptée et on fait maintenant des pneus d'hiver de performance. Ah, il y a tellement de choses à dire. Là, je m'en vais à la pause. Pierre, reste là. Parfait. Tu changes de setup, Jean-Guy, parce que tu montres autre chose dans un instant. Tu te déplaces un petit peu. Oui, pas de problème. OK, on se retrouve après la pause. Il y a d'autres questions, il y a des courriels, des caméras vidéo, ne vous gênez pas. Michel, on répond à votre question, on retourne à la pause, on s'en va et on revient. Merci, maman! Il n'y a pas de quoi. Merci, t'es la meilleure maman au monde! Merci. Alex, ta mère vient d'arriver. OK. Bye. Le poulet Prime de Maple Leaf. Tout s'explique avec Prime. C'est Guy. On joue au camp ensemble. Ouais. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin du service vérifié par Visa. Utilisé par FutureShop pour mieux sécuriser vos achats sur futureshop.ca. Faites-en l'essai, dès aujourd'hui. Vous savez ce qui embête les experts chez Oral-B? Une brosse à dents manuelle régulière peut laisser plus de microbes de la plaque sur vos dents. Des millions de microbes de la plaque qui produisent de l'acide et qui mangent l'émail de vos dents. Alors ils ont inventé la nouvelle Oral-B Vitality. Une brosse à dents rechargeable offerte à moins de $25. Vitality élimine la plaque de façon très efficace et produit près de 8000 mouvements par minute, réduisant jusqu'à deux fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle. Voyez cette plaque, branchez Vitality et affichez un sourire d'apparence saine. Oral-B Vitality, brossez-vous les dents comme un dentiste. Le 10 et 11 novembre, on a besoin de vous à l'Arbre des Oubliés. Oui, pour une autre année, vos restaurants sur vous de l'avoir ici sont fiers de s'associer à l'Arbre des Oubliés. Alors, le 10 et 11 novembre prochain, au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, donnez généreusement à l'Arbre des Oubliés. Chez Erika, découvrez une grande quantité d'accessoires tendance pour Noël. Du style, du choix, de la qualité à bon prix. Mon shopping de Noël chez Erika, c'est de joyeux personnages accueillants, des bas de Noël pour mes neveux, une couronne dernier cri, un doux jeté pour grand-mère et les dernières collections de boules de Noël auxquelles je n'ai pas pu résister. L'endroit parfait pour un décor des fêtes super chic, Eureka, à Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières. Eureka, pour habiller ma vie. Les magasins Briques fermeront vendredi. C'est le plus grand solde. Pour préparer la plus grande vente de l'année, consultez maintenant la circulaire de 12 pages sur briquenligne.com.
ce samedi seulement, économisez 50% sur tous les sofas en cuir, sur les ensembles de salle à dîner, les lits et les matelas. Économisez 15% sur les écrans géants et 20% sur les ensembles cinéma maison et audio. Ça fait mon affaire. La plus grande vente de l'année, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Au Québec, briques est imbattable. Ce vendredi et samedi, TVHM et vos restaurants Subway de la Mauricie vous invitent au Carrefour Trois-Rivières-Ouest pour l'Arbre des Oubliés. Assistez à de nombreux spectacles et donnez généreusement. Alors, ce vendredi et samedi, c'est un rendez-vous pour l'Arbre des Oubliés. TVA était là. Une présentation de iPoint Canada. À compter du 1er novembre, un nouveau numéro unique, le 811, pourra désormais être composé par tous les citoyens de la Mauricie et du centre du Québec lorsqu'ils voudront joindre Info Santé. La direction du centre Les Rivières est fière de souligner le 35e anniversaire du centre. Sa réputation lui permet de se positionner en tant que destination de magasinage par excellence. TVA au cœur de l'événement. Accumulez vos iPoints chez Plan Sport Excellence. Toujours la garantie du meilleur prix. Mise au point, c'est notre clinique avec nos spécialistes dans un garage, en studio. Puis vos questions, c'est vous qui menez l'émission également. Puis tout de suite au téléphone parce qu'il y en a de nombreux. Gilles est de grand-mère, il me parle. Salut Gilles. Oui. OK, votre question, mes deux pros sont là pour répondre. Oui, je veux savoir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au garage et change ses pneus. Oui. Puis ils ont mis de l'azote au lieu de l'air des pneus. Alors, azote ou air, puis c'est vrai, Jean-Guy puis Pierre, ça revient fréquemment. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans un pneu, Pierre? Écoutez, l'azote a des propriétés particulières. Elle s'échappe moins du pneu et elle est plus constante au niveau de sa pression. Donc, ça peut présenter des avantages, particulièrement si vous conduisez un véhicule avec des pneus à profil très bas. Donc, il y a moins de risque de perte d'air, donc de risque de bris de jambes, particulièrement l'hiver lorsqu'on circule dans des routes avec des nids de poules. Je m'en vais voir Jean-Guy. Jean-Guy, si je mets de l'azote dans mes pneus, je vous demande de mettre de l'azote dans mes pneus, y a-t-il un frais supplémentaire? Oui, il y a un frais supplémentaire qui est minime, de 4,50 $ la roue. Mais par contre, comme Pierre le mentionne, c'est sûr que l'azote, c'est un gaz inerte, donc c'est un gaz qui n'est pas influencé par les variations de température, surtout lorsqu'on fait beaucoup de longs trajets. À ce moment-là, on s'assure. Des fois, tu sais, quand on sort à l'extérieur, il fait moins 20, moins 30 le matin, on regarde nos pneus, puis ils ont une drôle d'allure, ils ont l'air à plat. À ce moment-là, c'est avec le phénomène de l'azote, on n'aura pas cette impression-là que nos pneus vont avoir réduit en volume d'air. OK. Hey, c'est important ce que tu dis là, puis ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui ont encore la tendance d'enlever un peu de pression dans le pneu l'hiver. On a l'impression que ça donne une meilleure pression. C'est pas vrai. Il y a toutes sortes de légendes urbaines au niveau des pressions d'air. Mais il faut se ramener toujours aux recommandations du manufacturier automobile. Les pressions d'air sont indiquées dans les portières. Essayez de maintenir ça. Il peut s'arriver certains modèles de pneus où ce qu'on va jouer avec quelques livres d'air en supplément lorsqu'on a des carcasses qui sont très molles pour combattre l'effet, justement, du jeu latéral sur les routes. Quand on roule avec un pneu d'hiver qui est très souple, avec une carcasse mollesse, à ce moment-là, on est peut-être mieux de rouler avec quelques livres d'air supérieurs à la pression recommandée pour avoir une meilleure stabilité avec notre véhicule. Bien, quelque chose à ajouter? Oui, c'est important parce qu'un pneu surgonflé, on va user le milieu de la semelle et un pneu sous-gonflé, on va user le talon sur le côté. Regarde, surgonflé, tu le fais de même, tu uses le milieu de la semelle. Absolument. Sous-gonflé, il va être comme ça, donc tu uses les côtés de la semelle. Exactement. L'image est bonne, c'est excellent. Je m'en vais sur mes courriels. J'ai des questions. Fais vite parce que là, on est dans le secteur aussi de l'équilibrage. Patrick dit, comment sait-on que nos pneus sont trop usés et quand on doit les changer? Pierre, veux-tu répondre aujourd'hui? Oui, bien, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de garagistes qui nous rapportent que des consommateurs font installer des pneus qui ne sont pas en état d'être installés. En bas de 432e, ça ne devrait même pas être installé. Oui, là, gars, en bas du 432e, je n'ai pas ces affaires-là chez nous. Là. Qu'est-ce que je peux prendre pour vérifier si c'est correct ou pas, Jean-Guy? Bien, gars, François, dans tous les pneus qui sont sur le marché, on a notre bande de sécurité qui est là. Il faut tout simplement que le pneu, le dessin de semelle, n'arrive pas à la bande de sécurité. Et cette bande de sécurité-là se retrouve de façon séquentielle sur la circonférence du pneu. Okay. Donc, il y a des travers, il y a des marques. On est capable, on n'a pas besoin d'avoir le 25 cents avec la tête d'orignal en envers, la face de la reine, peu importe ce que vous prendrez. Et à ce moment-là, on est capable de voir avec cette bande indicative-là si notre pneu est capable de faire face aux conditions routières. OK. Je continue avec mes courriels. C'est Sabrina qui dit, j'aimerais savoir si les pneus d'hiver réusinés donnent le même rendement que des pneus d'hiver neufs. Qui répond? Jean-Guy? Bon, on va y aller. Moi, je trouve qu'un pneu, c'est une alternative qui est intéressante. Mais par contre, il faut faire le pour et le contre de ces pneus-là parce qu'ils ont eu une vie, la carcasse. La carcasse a eu une vie.
On a des procédés maintenant qui ont évolué énormément, mais le pneu recyclé reste un pneu à utiliser de façon plus modérée. Michel est en ligne, je lui parle. Salut Michel. Hello. Michel, vous avez une question, c'est vrai qu'elle est souvent posée. Allez-y, mes pros vous écoutent. Bon, m'entendez là? Oui, oui, allez-y. Bon, OK. Moi, j'ai une question très importante. Moi, j'ai une bonne vieille Cadillac, OK? Un vieux modèle, mais elle n'est pas bonne. Puis moi, le garagiste me dit, regarde, tu veux poser les pneus d'hiver, parce que moi, ça, la traction est en avant. Tu mets tes pneus d'hiver en arrière. Là, je comprends plus. Là. OK. Des pneus d'hiver en arrière ou des pneus d'hiver en avant ou les quatre pneus d'hiver, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai quatre saisons en arrière, son nœud, puis j'en ai en avant. Là, tu laisses tes quatre saisons en arrière, puis tu mets tu laisses tes quatre saisons en avant, puis tu mets tes pneus d'hiver en arrière. Parce que c'est une propulsion. OK, Pierre. Écoutez, je pense que si vous, en fait, vous circulez sur la route avec une chaussure d'hiver, puis une chaussure pour la plage, c'est la même chose. C'est vrai, l'image est bonne, hein? Avec la sandale pour aller à Cuba ou bien avec la grosse botte de vin pour la Montréal. Ouais. Aujourd'hui, on doit équilibrer la traction à l'avant et à l'arrière. C'est pas recommandé. Oui, ça a été dit dans le passé, mais avec les voitures d'aujourd'hui, les capacités de freinage avec des bons pneus à l'arrière ne sont pas toujours réelles. Jean-Guy? Surtout aussi avec le facteur de frein ABS. Parce qu'on sait maintenant que la plupart des véhicules sont équipés de systèmes de frein ABS répartis sur quatre voies, donc aux quatre roues différentes. Et si on a des tractions qui sont différentes, même des dessins de semelles, deux sortes de pneus d'hiver sur le même véhicule, même à ça, on va avoir des fois des problèmes de stabilité à cause du freinage avec l'ABS. On ne réagira pas pareil et des fois, ça peut se résulter par des pertes de contrôle et de voir des décors qu'on n'aimerait peut-être pas toujours aimer voir. OK. Mais là, je prends une minute pour s'en va à la pause, pour continuer ensemble. Il y a des questions et des courriels, mais où es-tu? Tu as une minute pour me raconter ce que tu es en train de faire là. Il y a quelqu'un qui me disait, faut-tu faire rééquilibrer les roues à chaque fois parce que ça coûte cher? Oui, l'équilibrage, on en a parlé tout à l'heure, mais là, on parle de parallélisme, l'alignement. L'alignement. Donc, on règle la géométrie du véhicule. C'est bon d'avoir de bons pneus d'hiver, mais c'est bon également d'avoir un véhicule qui est bien, la géométrie est parfaite sur le véhicule. Même des véhicules nœuds, vous saurez que 80% des véhicules qui prennent le chemin nœud sont pas alignés. Donc, faites-le vérifier. Un diagnostic d'alignement, si le technicien n'apporte pas de correctif sur votre véhicule, à ce moment-là, on se trouve à charger seulement un diagnostic, non pas un réglage parallélisme. Parfait, ça, ici, regarde, on a justement la bonne image ici à l'écran. On voit vraiment qu'est-ce qu'on fait. On se trouve à prendre les angles des roues aux quatre coins et à ce moment-là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on a des spécifications que chaque manufacturier a et avec ça, on se trouve à faire des réglages pour que vos roues aient la bonne distance entre chaque et la bonne ouverture de roue. Tout ça pour vous donner une meilleure stabilité avec le véhicule. Mais faut-il faire ça chaque fois? Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, je l'ai fait faire l'hiver passé, je ne refais pas faire ça encore une fois. Normalement, c'est recommandé de la faire vérifier au moins une fois l'an ou à tous les 25 000 kilos. Pourquoi? Parce que, vous le savez très bien, messieurs, l'état des routes, aujourd'hui au Québec, c'est davantage abrégé. On le sait tous. Mais aussi, il y a un phénomène de plus en plus qu'on rencontre, c'est que les profils sont de plus en plus bas sur les roues. Donc, le pneu absorbe beaucoup moins. Et qu'est-ce qui mange le coup? C'est votre suspension. Donc, on a des diamètres de roues qui sont de plus en plus grands. Et les bras triangulaires sur les suspensions d'aujourd'hui qu'on retrouve, on n'a plus les grosses tables de suspension qui étaient très rigides et qu'à ce moment-là, ils étaient capables de prendre des coups énormément. Donc, la suspension est beaucoup plus précise, plus confortable. On aime avoir de la technologie sur nos véhicules d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plus de maintenance et plus d'entretien à lui apporter. OK. Je sais que tantôt, on va faire dans les huiles, le sous le capot et tout ça. Quelque chose à ajouter là-dessus, Pierre? Oui, ce qui est important au niveau du parallélisme, souvent avec les voitures d'aujourd'hui, particulièrement les tractions avant, c'est qu'un véhicule dont le parallélisme est inadéquat, vous allez user les pneus à l'arrière et ce n'est pas visible nécessairement pour le consommateur et vous allez endommager vos pneus. Vous allez avoir un véhicule qui va avoir le même problème qu'un pneu qui est déséquilibré et malheureusement, il est trop tard. On doit remplacer souvent les ensembles. Donc, ce n'est pas une économie de négliger l'entretien à ce niveau-là. OK, Jean-Guy? Pierre François, en terminant, aussi le système de freinage, à ne pas négliger de faire inspecter votre système de freinage à l'automne. Parce qu'on sait qu'un système de freinage qui n'est pas adéquat sur notre véhicule, lorsqu'on va être en situation de surface qui sont très glissantes, on a besoin d'avoir un système de freinage où ce que toutes les forces vont être bien appliquées.
appliquer aux bons endroits, au bon moment. Et je vous parlais tout à l'heure de l'ABS. Si on a des systèmes de frein où les sabots arrière sont loin des tambours, ou ce qu'on n'a pas un bon ajustement, la bonne proportion de freinage, parce qu'on sait qu'un véhicule, normalement, en général, 60-65% de l'efficacité de freinage vient des roues d'avant, pour 30-35% des roues arrière. Donc, si on ne va pas chercher ce 30-35%-là des roues arrière, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? C'est qu'on perd le contrôle de notre véhicule, on a moins d'adhérence au freinage, et à ce moment-là, on risque de prendre le décor. OK, j'ai deux questions en rafale. Une par courriel, c'est Paul qui me parle. C'est très spécifique, mais je vous la pose quand même, parce que Paul a pris le temps de nous écrire. Quel genre de pneus devrais-je choisir pour mon camion F250, étant donné que je me dirige vers le Texas au début de janvier? On me dit que le pneu d'hiver sera brûlé en très peu de temps. Je la pose parce qu'il y a bien des gens qui vont s'en aller en Floride cet hiver, qui se mettent des pneus d'hiver en début de saison, qui partent avec. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, un pneu d'hiver n'est pas fait pour rouler dans des températures excessives. Parce qu'un dessin de semelle, on voit des fois que c'est beau, les dessins de semelle, mais ça a une fonction aussi de refroidir la bande de roulement. Mais on ne retrouve pas cette fonction-là sur le pneumatique d'hiver. Si on prend le côté du sud, puis on s'en va avec nos quatre pneus d'hiver, on risque de les user de façon très prématurée. À ce moment-là, le changement de pneumatique au mois de janvier avant de quitter pour le sud, ça serait la meilleure des choses à faire. Ou, à ce moment-là, sur un camion, on peut aller chercher des pneus qui sont quatre saisons avec un pictogramme d'hiver qu'on retrouve sur le côté. Ce qui veut dire qu'on va avoir un caoutchouc qui va être adapté, au lieu d'aller à moins 30 ou moins 40, va être encore souple à moins 15 ou moins 20 degrés. Donc, c'est un compromis. OK. Pierre, généralement, ces véhicules-là sont dotés de pneus assez agressifs. Donc, effectivement, si le monsieur utilise ses pneus quatre saisons, il va nécessairement avoir un rendement peut-être convenable, mais en étant prudent, surveillant les conditions routières, il ne faut pas se risquer sur la route avec des pneus. Bon, je te dis une autre chose, Pierre, c'est pour ceux qui n'ont pas encore, comme moi, fait le changement de pneus, que s'ils sont entreposés à la maison, on donne une chance également en les nettoyant un peu. Oui, on a parlé de problème d'équilibrage. Bien, c'est bon de nettoyer les jantes avant de les confier à son garagiste, parce que souvent, des dépôts de graisse ou de saleté vont faire que c'est des onces qui sont accumulées de saleté. Ça va créer le même problème qu'un pneu débalancé. Et même si le pneu est équilibré, si on ne porte pas attention à cela, on va avoir le même problème d'équilibrage. Il y a une question très spécifique, Jean-Guy, que j'ajoute, puis je m'en vais à pause là-dessus, là, mais Thérèse de Boisbriand. Thérèse, je ne vous parle pas, là, OK, parce qu'on s'en va à pause, mais je vais donner votre question. Ben, encore là, que je n'ai pas le bon chiffre. Hey, et là, Thérèse, on l'aime en ligne, pas de trouble. C'est le même. Thérèse, êtes-vous avec moi? Oui. Thérèse, posez votre question rapidement. Je voudrais savoir, présentement, j'ai des temps. P195-65R15. Est-ce que je peux mettre du P195-60R15? Non, là, regarde, c'est bien le fun. Je ne sais pas ce qu'ils vont répondre, mais il y a bien des gens qui vous demandent ça, de modifier la dimension du pneu, puis il faut être bien précis dans ces calculs-là. Premièrement, en série 60, on va être plus large au sol, donc c'est pas recommandable pour l'hiver. Okay. Et deuxième des choses, le diamètre hors-tout va être influencé par l'ordinateur d'abord. Si on passe d'un 195-65-15 à un 195-75, ça n'aura pas la même hauteur sur le diamètre hors-tout. Alors, on garde le même pneu ou on peut faire des modifications quand même? Oui, admettons qu'on était en 195-65-15. Si on voulait aller en série 60 absolument, il aurait fallu prendre un 205-60R15. Là, à ce moment-là, on aurait gardé le même diamètre hors-tout. On aurait été un petit peu plus large au sol, ce qu'on fait souvent à l'été. OK, donnez-moi, Yann, c'est quoi, là, quand on dit 205-65, 15, c'est quoi le gugus, là? Il faut respecter la circonférence. Oui, mais c'est quoi 205? C'est la... c'est la rapport de la hauteur du pneu versus sa semelle. OK. Dans une dimension de pneu, on retrouve du métrique, du pourcentage et des pouces. Bon. 205, c'est en métrique. 205, c'est la dimension d'un talon à l'autre quand on fait le contour, le contraire de la circonférence. Et le chiffre du centre, c'est toujours le pourcentage qui se retrouve sur la semelle, la portée au sol. OK. Donc, puis le 15, bien, c'est le 15 pouces pour le diamètre sur lequel la jante de roue va être installée. OK. Puis là, il y a des véhicules qui sont rendus avec des gros pneus maintenant. C'est 17, 18, etc. C'est des pneus qui coûtent une fortune. Il y a des gens qui se portent acquéreurs de ce genre de véhicule-là. Puis malheureusement, des pneus larges comme ça, attendez-vous pas de circuler dans la neige avec du succès parce que vous n'aurez pas de peau pour se carrer. C'est à déconseiller, malheureusement, lorsqu'on choisit un véhicule pour sa performance l'été,
qu'on devrait ne pas oublier qu'on devra circuler dans les conditions routières difficiles l'hiver. OK, je sais que vous voulez. Il reste 15 secondes, Greg. C'est un bon point qu'on mentionne parce qu'on magasine des fois des véhicules, puis on ne s'attarde pas à ça. Puis on le voit dans les salles de vente présentement, des gens qui vont acheter des véhicules de série, de compact, sous-compact, avec des dimensions de pneus un petit peu drôles pour la sorte de véhicule qu'ils ont. Et ils font le saut lorsqu'ils viennent le temps de changer le pneumatique. OK, on s'en va à pause, messieurs. Au retour, on va tomber sous le capot parce que les huiles, les liquides refroidissants, les balais d'essuie-glace, des conseils chauffe-moteur, comment survolte-t-on, qu'est-ce qu'on devrait garder dans le cap? Hey, on va prolonger tout ça. Une heure de plus. Une heure de plus. Cherchez-vous un nettoyant pour cuvette puissant? N'allez pas à l'extrême. L'effet, rien ne surpasse la puissance du nettoyant pour cuvette Lysol. La formule épaisse adhère à la cuvette, enlève les taches rebelles et détruit 99,9% des germes pour aider à protéger votre famille. Lysol, désinfecté pour protéger. Gâtez-vous avec le parfum apaisant de la lavande dans vos vêtements. Vanille et lavande de Downy Simple Plaisir. Pendant ton sommeil, ton petit ventre va travailler. Ta couche pourrait alors bâiller et fuir. Les nouvelles Pampers Baby Dry avec la petite chenille Flex s'étirent et se contractent pour aider à arrêter les fuites mieux qu'auparavant. Les nouvelles Baby Dry avec la petite chenille Flex. Cherchez-vous un nettoyant pour cuvette puissant? N'allez pas à l'extrême. L'effet, rien ne surpasse la puissance du nettoyant pour cuvette Lysol. La formule épaisse adhère à la cuvette, enlève les taches rebelles et détruit 99,9% des germes pour aider à protéger votre famille. Lysol, désinfecté pour protéger. Le 10 et 11 novembre, on a besoin de vous à l'Arbre des Oubliés. Oui, pour une autre année, vos restaurants Subway de la Mauricie sont fiers de s'associer à l'Arbre des Oubliés. Alors, le 10 et 11 novembre prochain, au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, donnez généreusement à l'Arbre des Oubliés. Avec le choix incroyable des caméras vidéo et caméras numériques chez Tanguay Électronique, c'est le temps de penser à vos cadeaux des fêtes. Surtout avec le méga rabais de 100$ sur cette caméra mini DV de JVC. Maintenant, 299$ ou 12 versements de 25$. Dans tout, les Tanguay Électronique. L'événement Novembre bien au chaud se poursuit dans vos trois magasins d'équipeurs de la Mauricie. Vous y trouverez des vêtements et accessoires pour passer un automne tout confort. Alors n'attendez plus. Venez profiter de l'événement Novembre bien au chaud dans vos trois magasins d'équipeurs de la Mauricie. L'équipeur, toujours le bon vêtement. Le Murano 2007 de Nissan. Moteur V6 de 245 chevaux. Style incomparable. Performance d'un VUS et contrôle de la distribution à variation continue pour des passages de vitesse tout en douceur et une consommation de carburant améliorée. Du centre-ville au sommet de la montagne, pour vous rendre où l'aventure vous mène, le Murano de Nissan. Ce vendredi et samedi, TVHM et vos restaurants Subway de la Mauricie vous invitent au Carrefour Trois-Rivières-Ouest pour l'Arbre des Oubliés. Assistez à de nombreux spectacles et donnez généreusement. Alors, ce vendredi et samedi, c'est un rendez-vous pour l'Arbre des Oubliés. Des caméras numériques, on en a vraiment, vraiment beaucoup chez Tanguay Électronique. Et avec ce modèle Lumix, 5 mégapixels de Panasonic, vos photos seront d'une clarté remarquable. Avec 100$ de rabais, vous ne paierez que 12 versements de 33$. Et rappelez-vous, des caméras numériques, on en a beaucoup chez Tanguay Électronique. L'événement Novembre bien au chaud se poursuit dans vos trois magasins d'équipeurs de la Mauricie. Vous y trouverez des vêtements et accessoires pour passer un automne tout confort. Alors n'attendez plus. Venez profiter de l'événement Novembre bien au chaud dans vos trois magasins d'équipeurs de la Mauricie. L'équipeur, toujours le bon vêtement. Cet automne, courez la chance de vous envoler au soleil grâce à Vitro Plus et TVA. À gagner, 40 voyages d'une semaine pour deux personnes. Pour participer, procurez-vous votre carte d'embarquement chez Vitro Plus, inscrivez-vous sur Internet, regardez Salut Bonjour et découvrez chaque semaine quatre nouveaux gagnants. Et ce n'est pas tout. Parmi tous ceux qui auront fait réparer ou remplacer leur pare-brise, Vitro Plus fera tirer chaque jour un démarreur à distance. TVA et Vitro Plus, ceux qui vous en donnent plus. Je tiens votre attention au tva.canoë.com avec notre question canoë qui fait cette, aujourd'hui là, dans le hockey. Parce qu'hier, Maître Guy Bertrand en a pas mal parlé, vous avez vu ça aux nouvelles. Là, le Québec doit-il avoir son équipe de hockey lors des prochains championnats mondiaux de hockey? Il y a quelqu'un qui a voté, je ne sais pas qui a voté. Hein, quelqu'un ne voulait pas l'équipe canadienne du Québec. Ça donne quoi? 5770 votants, oui à 53%, non à 47%. Vous pouvez continuer à voter. On fera état de vos choix plus tard en journée également. Bon, on est dans nos mises au point. Le courriel de Jimmy qui dit,
Je crois que les pneus d'hiver sont primordiaux à la base, là. En ce qui concerne le reste de la mise au point, qu'est-ce qui est le plus important? Ben justement, Jimmy, on est rendu là. Mais je fais juste la parenthèse avec Pierre, puis on va aller rejoindre Jean-Guy, là. Il y a bien des gens qui appellent, là. Vous avez dit, les pneus 4 saisons, attention, à partir de moins 15, c'est moins efficace. Puis les gens disent, hey, je ne mettrai peut-être pas ça, là. Écoutez, le 3 mètres que vous avez de différence au freinage, ça peut faire la différence entre voir l'arrêt devant vous ou une bétonnière dans votre porte. On ne peut pas prendre de chance et risquer notre vie pour des pneus qui vont être moins efficaces. Les quelques mètres de différence, des fois, c'est, ça fait la différence entre frapper l'arrière de la voiture qui vous précède. Et c'est la même 3 chose. 3 mètres de différence. Et souvent, c'est simple, les 3 mètres, c'est 9 pieds. Jean-Guy, avant qu'on aille à l'intérieur, dans sous le capot pour le reste de la mise au point, il y a Lydia qui est la ligne 6, elle est de Laval. Elle a une question bien précise concernant son véhicule, mais il paraît que ça s'en vient de plus en plus, ces pneus-là. Allô, Lydia? Oui, allô? Elle est spécifique, mais il paraît que le pneu dont vous allez me parler, on va en trouver de plus en plus. Quelle est votre question? OK, ma question est, sur les BM actuellement, on a les sortes de pneus que, s'il y a une crevaison, on peut rouler avec jusqu'à 200 km. C'est ça, 200 km. Fait que moi, ma question est, elle n'a pas tout à fait 8000. Mon auto, c'est un auto neuf du concessionnaire. Puis, on s'est rendu compte, qu'il y avait un petit bruit. Et à l'examen, on m'a dit que l'usure, elle n'était pas uniforme sur mes pneus. Fait que là, il a fallu le changer. Okay. Ce qui s'est fait, par la compagnie. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je m'apprêtais à acheter des pneus d'hiver. Et actuellement, je suis comme mêlée. Est-ce que, qu'est-ce que j'achète? Puis quand j'ai rentré sur Internet, il y a un forum des gens qui éprouvent ce genre de problème avec leur véhicule. C'est une usure qui est vraiment pas normale. Jean-Guy? Oui. Est-ce qu'on a suivi la question de Lydia? Absolument. Comme vous le mentionnez, c'est sûr que de plus en plus, dans l'industrie, beaucoup de véhicules qui sortent équipés avec des pneus run flat. Les pneus run flat, c'est qu'on veut dire que c'est un pneu. On a éliminé la roue de secours sur le véhicule. Donc, on a gagné de l'espace pour la valise arrière. On a gagné pour le poids et le coût de production. Par contre, on a hypothéqué un petit peu l'utilisation du véhicule en ayant des pneus run flat parce que c'est pas la meilleure merveille du monde. Ça a des restrictions quand même. C'est un pneu qui est une carcasse qui est très rigide parce que vous comprendrez avec moi que le pneu peut rouler à plat, sans air. Il va être capable de garder la pesanteur du véhicule pour qu'on puisse se rendre sur une distance de 80 à 100 km à une vitesse de 80 à 100 km. À un point de service pour faire remplacer le pneu. Alors, en 15 secondes, elle fait quoi à ce moment-là? Ça veut écouter son. Elle fait quoi, là? La meilleure chose, c'est de se mettre de bons pneus d'hiver qui ne sont pas run flat, parce que les pneus run flat dans l'industrie présentement, on trouve deux ou trois modèles qui sont très mitigés. Et au niveau traction, je ne les trouve pas très performants pour les hivers québécois. Et on s'abonne au club automobile pour avoir une bonne assistance routière, puis le problème est réglé. Parfait, c'est fait, c'est réglé. On s'en va sous le capot, OK? Parce que là, on avait d'autres secteurs de mise au point. Là, je te laisse un petit peu aller, Jean-Guy. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce qu'il faut changer? Bien, premièrement, comme on le mentionne régulièrement, la maintenance sur un véhicule, c'est de base. Premièrement, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'avoir une huile appropriée. Fait que les huiles, c'est pas éternel. Fait qu'il y en a des fois qui sont propriétaires d'un véhicule, puis ils pensent que l'huile, c'est éternel. Mais malheureusement, ça ne l'est pas encore. Ils n'en ont pas trouvé. Donc, il faut avoir une bonne huile qui est adéquate, un bon grade d'huile également. On parle d'huile semi-synthétique, l'huile végétale, l'huile synthétique. Il y a une panoplie de produits, on ne s'étendra pas là-dessus. Mais le principal, c'est d'avoir une bonne huile pour notre moteur, appropriée selon les recommandations du manufacturier, et ça fait le travail. Okay. Deuxième des choses, la filtration. Que ce soit des filtres à l'huile, tu sais, on fait des vidanges d'huile des fois, puis les gens font pas une bonne filtration. C'est comme prendre son bain puis de ne pas changer l'eau. Nice. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut la filtration, le filtre à air, il faut que notre moteur respire. Si, à ce moment-là, on n'a pas donné le soin approprié à notre véhicule et que notre entrée d'air n'est pas adéquate, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le véhicule va marcher plus riche qu'il devrait marcher. Donc, consommer plus d'essence. On sait le prix de l'essence aujourd'hui. Donc, donnez-y des soins de base. Ça est important pour passer un hiver ensoleillé. Les essuie-glaces, c'est important de voir où est-ce qu'on s'en va. Les essuie-glaces, voyez-vous, une gaine de caoutchouc qui recouvre le mécanisme qui donne la suspension à notre essuie-glace.
essuie-glace, c'est ça un essuie-glace d'hiver. Donc, c'est important qu'il soit en bonne condition. S'il est fissuré, à ce moment-là, la glace, l'eau va s'infiltrer, ça va gonfler et on va être au coin, aux intersections, on va secouer nos balais d'essuie-glace pour enlever la glace. Si on en voit souvent, là, son lait, il s'étire le bras par la vitre de côté, on secoue l'essuie-glace, c'est parce qu'ils n'ont pas d'essuie-glace approprié. Nouveau sur le marché maintenant, on a un essuie-glace maintenant qu'on voyait sur des modèles européens, allemands, et on peut l'avoir maintenant adapté à tout l'ensemble du parc automobile. Qu'on l'a ici, moi je n'ai un dans les mains, une compagnie Bosch, et avec un déflecteur d'air, parce qu'on sait que de plus en plus, les dimensions de pneus changent, mais les dimensions d'essuie-glace aussi changent. On s'en vient avec des 22, 24, 26 pouces d'essuie-glace. Donc dans le vent, ça a une bonne prise. Fait que si on a un essuie-glace qui est approprié, qui ne se lèvera pas du pare-brise, va rester un bon contact, va faire un bon balayage, on va avoir une meilleure visibilité, on va savoir où on va. Ouais, c'est tout le temps, juste, je peux même pas aller plus loin, mais on a fait pas mal de tours. Une dernière chose, en terminant 15 secondes, l'Aquapil, produit miraculeux, j'y crois, on l'utilise de façon adéquate et ça économise l'utilisation du lave-glace. Utiliser ça, ça vaut à peine. Alors, je te dirais que moi, je vais faire faire, je vais refaire faire encore. C'est vrai que c'est le fun parce que ça garde la vitre très, très propre. Absolument. Je vais rester 45 secondes avant de la peau. Il y a un point qui est important aussi. Si vous n'êtes pas en mesure de brancher votre véhicule l'hiver, l'utilisation de l'huile synthétique, ça donne d'excellents résultats. Ça permet de faire démarrer votre véhicule presque aussi facilement que si elle a été branchée. L'autre point important, si vous conduisez un véhicule doté de la climatisation, on a un filtre de cabine à remplacer périodiquement. On appelle ça fréquemment le filtre à pollen. C'est bon de faire remplacer avant l'hiver parce que tout l'air qui est puisé à l'extérieur du véhicule passe par ce filtre-là. Et si on a circulé l'été dans des routes poussiéreuses avec beaucoup de pollen, souvent les filtres sont obstrués. Vous avez des odeurs dans le véhicule et un système de dégivrage inefficace. Donc, c'est à faire entretenir aussi. Puis ça, parce que ça tente, c'est ce que Pierre avait apporté. On vous le montre juste comme ça, des trucs à avoir dans son véhicule pour éviter des problèmes. Le balai, bien sûr, du truc ici sur mon nez pour de la traction, du sel et du sable. Le triangle, il arrive des accidents parce qu'on est mal, on signale mal sur la route. La petite pelle pour se débrandre quand il y a de la neige, c'est pas encore arrivé. Et le reste, c'est le reste. Jean-Guy, merci beaucoup. Plaisir. Puis on aurait eu encore des choses à dire. Il y a une tonne de questions de téléphone. Pierre, c'est un plaisir aussi. Mm-hmm. Au retour, je vous présente un type qui est garagiste, mais il a décidé à un moment donné là, qu'il ferait peut-être dans l'humour également. Parce que des fois, c'est drôle ce qui se passe dans un garage. Marcel au garage, histoire de se détendre, je vous présente un propriétaire devenu humoriste dans un instant. Voici la première et la seule gamme de serviettes jumelées à des débarbouillettes en pochette individuelle. Les nouvelles Always Clean. Comptez sur une sensation de propreté comme après la douche, sans la douche. Bonne et heureuse semaine, Always. Je veux que ça arrête. Le nouveau Lush Exact de CoverGirl. C'est quoi le truc? La brosse. Pas de dégâts ici, pas de grumeaux ici. CoverGirl a changé du mascara toutes les lois. De beaux cils, CoverGirl a le tour. Le nouveau mascara Lush Exact, simplement vous, simplement belle, CoverGirl. D'abord, se rencontre les conseillers de la ville à 11h30. Stéphanie, elle a appelé souvent. Puis oublie pas les couvreurs de plancher à midi. Ah, parfait. J'aimerais que tu signes ici, ici et là. Et puis à 1h30, ton rendez-vous est changé. Prenez à nouveau le temps de dîner. Voici la nouvelle pizza Solo Gourmet de McCain. Une pizza à croûte mince et croustillante, prête en seulement 3 minutes. Voyons, la porte est barrée. Allô, ouvre la porte. McCain Solo Gourmet. C'est le temps de dîner. Plus que des conseillers, des amis. C'est vrai, chez Beaubain, le service fait toute la différence. Et vous serez ravis du choix, de la qualité et des prix. Beaubain, spécialiste de la salle de bain depuis plus de 20 ans. Samedi 27 janvier, à la salle J. Antonio Thompson, La forêt des mal-aimés, de Pierre Lapointe. J'attends toujours que les discours... Achat téléphonique 819-380-9797. Vous le savez, on s'en sauvera pas. Il va neiger, un peu, puis même beaucoup. Soyez prêts, profitez des spéciaux de la circulaire chaud sur pop. Grand choix de bottillons pour dames à partir de $39.95 et $20 de rabais sur ces bottes modes. Aussi, vaste sélection de bottes pour hommes, comme ces modèles sport réduits de $20. Et pour toute la famille, chaud sur pop vous offre ces bottes style snow à partir de $49.95 et la soucoupe est à vous gratuitement. Chaud sur pop, rue Barca, face à Bureau en gros et boulevard des Forges, face aux rivières. L'événement Novembre bien au chaud se poursuit dans vos trois magasins L'Équipeur de la Mauricie. Vous y trouverez des vêtements et accessoires pour passer un automne tout confort. Alors n'attendez plus. Venez profiter de l'événement Novembre bien au chaud dans vos trois magasins L'Équipeur de la Mauricie. L'Équipeur, toujours le bon vêtement. À
amateurs de glisse, achetez votre billet de saison à Valley Park avant le 5 novembre et économisez. En plus, obtenez un billet invité en soirée et skiez à une occasion dans 15 stations du Québec. Valley Park, des conditions de neige exceptionnelles. Ils sont tellement sympathiques. C'est vrai, les professionnels de Beaubain sont près de vous. Ils vous conseillent, vous donnent l'heure juste et vous aident à respecter votre budget. Beaubain, spécialiste de la salle de bain depuis plus de 20 ans. Samedi 24 février, à la salle J. Antonio Thompson, à voir Annie Villeneuve en supplémentaire. Quand je ferme les yeux. Achat téléphonique 819-380-9797. Patricia Ely, une femme dynamique associée à une équipe chevronnée. Patricia Ely, à l'écoute des gens, toujours près de vous. Patricia Ely, la chef d'antenne du TVA midi et 18h à TVHN, c'est vrai. Ce vendredi, les demi-finales commencent. Le concours se corse à présent. Tu es génial. Les juges seront encore plus critiques. C'était ennuyant. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Chaque jour, ayez le bon réflexe. Le plus rapide, le plus efficace. Pour tout capter, pour ne rien manquer. Ayez le bon réflexe. LCN. Ça se peut pas, ça, un garagiste qui aime pas le sexe, c'est quoi, ça? Non, pas à cause qu'on a des calendriers de femmes tout nues partout dans le garage qu'on aime le sexe. Quoi? Les filles tout nues, là, ces calendriers sont couchés sur des maudits beaux chars. Bon, je vous dis pas que ça ne m'est pas déjà arrivé de poigner de fixe dans un calendrier, puis... Mais non, mais puis de me dire... Ouf, maudit que j'aimerais ça que que Charles-là soit à moi. Non, ok, je vais être franc avec vous. Ben, c'est vrai que je ne dis pas que ça ne m'est pas déjà arrivé aussi de pogner le fixe dans le calendrier et de me dire maudit que j'aimerais ça que ta fille-là soit à moi. Mais non, mais coucher tout nu de même, hein, sur le haut du char et de tabarnouche, hein, c'est à moi. Avec ses petits bouts de souliers pointus, à débarquer en tabarnak le solo de mon char. Et celui que vous entendez, ça fait partie d'un spectacle. Pourquoi il est là? Parce qu'on parlait de mise au point, mais le gars que vous voyez, c'est Marcel au garage. C'est un humoriste, mais c'est avant tout un garagiste. Ben oui, encore même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Marcel devant un garage. Oh oui, j'arrive du travail puis j'y retourne après. Ouais. Puis à un moment donné, dans votre vie, vous avez dit, écoutez, on s'entendrait faire de l'humour parce que les clients vous trouvaient drôle. Ouais, non, mais c'est un accident de parcours un peu. J'ai commencé un spectacle de ma belle-sœur, puis bon, j'ai fait un petit monologue pour réchauffer la salle au début. Puis surprise, ça a très bien fonctionné. Les gens disent, ah, oh, t'es où d'habitude? D'habitude, j'en fais pas. Là, j'ai décidé d'en faire un plus imposant, c'est-à-dire j'ai loué le Grand Théâtre le 19 de mars, puis bang, on l'a rempli. Quand on dit avoir du gars, je me permets l'expression, parce que vous avez décidé de louer une salle au Grand Théâtre, c'est pas la plus petite que vous avez louée non plus, ouais, Louis Fréchette. La Louis Fréchette, il y a combien de places là-dedans? Il y a 1800 places. Vous avez rempli ça pour votre spectacle, ouais. Puis maintenant, ça démarre, ça commence à, c'est le cas de le dire dans les voitures, ça démarre, là. Ça commence à bien aller. Ah oui, ça va très bien. J'ai fait 3 spectacles jusqu'à présent. Les 3 ont bien fonctionné. C'est 3 spectacles totalement différents. Le 3e, j'ai fait Albert Rousseau, qu'on a bien rempli aussi, qui ressemble un peu au 2e qu'on voit à l'écran présentement. Lui, c'est vraiment le spectacle final. On a rajouté un 30% de matériel de garage que les gens demandaient. Vous voulez avoir plus de matériel de garage. Alors, les gens trouvent ça drôle. J'ai dit, je pensais jamais de rire sur des sujets que j'avais pas déjà entendus. C'est drôle parce que vous vous servez votre quotidien. C'est là-dedans que vous puisez votre matériel aussi. Oui, puis je suis allé pas trop technique là, pour que ce soit le grand public. Alors, il y a des enfants, 7 ans, des personnes, peu importe l'âge, ils se reconnaissent. C'est plus sur les comportements des gens dans le garage. Et bien sûr, on rit un peu de nous aussi, les garagistes. On s'en va-tu en tournée avec ça? Oui, on prépare ça présentement. La compagnie Rivage, qui est production, prépare une tournée après les fêtes. On y va tes deux roches. Le roche de printemps, le roche d'automne. Mais non, on est dans le roche. C'est vrai, là, au garage. On est dans le mise au point. Actuellement, il n'y en a pas question. J'aurais pu facilement. Mais tu as préparé tout ça. Après les fêtes, on part en région. Et puis, on va aller à Montréal aussi, tout ça.
OK, d'abord, ça veut dire que là, c'est l'humoriste, bien sûr, qui est capable de faire des blagues, mais c'est tout ça un garagiste. On va le mettre à l'épreuve, c'est une question de garage. C'est Paul qui est de la Côte-Nord. Il est en ligne, mais je vais poser pour lui. Est-ce que c'est grave quand le niveau d'huile est un peu trop haut? Tu sais qu'on va faire de l'huile, il y en a toujours de trop. Ça peut-tu poser un problème? Ça arrive fréquemment, ça faut faire attention. Quand on dit un peu, là, c'est parce que souvent sur la baguette à l'huile, les gens vont se peurer quand ils voient que ça dépasse un peu. Des fois, c'est à peine, c'est un quart de pain. Idéalement, c'est au bon niveau pour ne pas forcer les joints d'étanchéité du moteur parce que la pression est plus forte, surtout l'hiver. L'hiver portant froid, l'huile est épaisse et dure à démarrer. Alors, s'il n'y avait pas l'huile synthétique, ça peut mettre une pression additionnelle, pour briser le moteur facilement. Il y a une réponse à cela, c'est que si votre vilebrequin frappe l'huile, ça va créer du moussage, donc vous allez avoir des bulles d'air dans l'huile, ça va circuler dans le circuit, puis ça diminue les qualités de l'huile au niveau de sa lubrification. Donc, ça crée un problème. On a même déjà rapporté un trop gros surplus d'huile par barbotage. On va même créer un dommage au vilebrequin. Ah, donc, pas beaucoup. Prudence, 30 secondes, mais après ça, je vais la pause. Je vais vous garder tous les deux. Les vrais pots sont là. Pensez à cette question-là. Je vous donnerai la réponse au retour. C'est Martin. Est-ce que c'est vrai qu'une auto qui est branchée à moins 25 et plus va avoir une durée de vie plus longue que celles qui ne sont pas branchées? On parlera des branchements également. Alors, après la pause, votre question, votre réponse, Martin, avec un garagiste humoriste, puis... un spécialiste humoriste d'auto et tout ça. E-Point Canada, c'est quoi? C'est des concours, des échanges de points contre de la marchandise et des remises en argent. E-Point Canada, c'est aussi un programme bonus pour employés. Oui, vous aussi, accumulez, échangez, profitez. Pour en savoir plus, www.concourscanada.ca. Cette semaine, dans ses jours, découvrez le vrai visage de Julie Dupage, la méchante de l'Anticompte. Plus, un dossier spécial sur le gala de la disque, place au glamour et au plus beau couple. Et courez la chance d'aller voir U2 à Hawaï. Mon séjour, il y en a dedans. Papa, combien ça coûte appeler papy à Vancouver? 2,9 sous la minute. Puis, ma tante Dudu à Miami? Même prix, ma belle, 2,9 sous. Avec Distributel, payez seulement 2,9 sous la minute pour vos appels interurbains. Appelez en tout temps, partout au Canada, aux États-Unis et dans 25 autres pays. Toujours à 2,9 sous la minute, appelez-nous au 310-11-12. Et comment maman appelle ses parents en Chine? 2,9 sous la minute. Appelez maintenant au 310-11-12. Qu'est-ce qui fait du Castel-des-Prés l'endroit unique à Trois-Rivières? Nathalie le sait. Elle s'occupe depuis 16 ans de vous accueillir dans un endroit chaleureux, reposant. Elle s'assure que vous soyez toujours satisfait. Le Castel-des-Prés, l'endroit unique à Trois-Rivières. Le temps froid est revenu. Maheu Magasin Repos aussi. C'est la place pour se préparer à affronter, ou plutôt apprécier la saison hivernale. Faites votre choix parmi les milliers de modèles offerts dans les marques de l'heure, tels Spyder, Eliensen, Peak Performance et autres. Découvrez aussi nos accessoires indispensables de grande qualité. La division DM2 vous propose les collections Alpenstar, Bonfire, Animal et Emily the Strange au meilleur prix. DM2, c'est le nouveau repère du monde extrême. Tout ça et bien plus encore chez Maheu Magasin Repos à Victoriaville. Cet automne, surveillez TVHM et courez la chance de gagner vos électros. Pour participer, c'est facile. Suivez le TVA 18h et repérez l'indice du jour qui vous sera dévoilé. Tous les jours, un gagnant, un prix, un finaliste. Et à la fin du concours, le 28 novembre, 25 finalistes courront la chance de gagner l'ensemble d'électroménagers KitchenAid de chez Clément Bois-Verneuve. C'est plus de 10 000 $ en prix. À surveiller, gagnez vos électros au TVA 18h. Votre resto familial, les ailes piquantes Buffalo, vous en offre toujours plus. Venez accumuler vos e-points que vous pourrez échanger pour des cadeaux tout en dégustant un bon New York steak. Au resto familial, les ailes piquantes Buffalo, il n'y a pas que des ailes. Centre-ville, Trois-Rivières. Cette semaine, dans ses jours, découvrez le vrai visage de Julie Dupage, la méchante de l'Anticompte. Plus, un dossier spécial sur le gala de la disque, place au glamour et au plus beau couple. Et courez la chance d'aller voir U2 à Hawaï. Mon séjour, il y en a dedans. Qu'est-ce qui fait du Castel-des-Prés l'endroit unique à Trois-Rivières? Annie le sait. Elle s'occupe depuis 10 ans de vous accueillir dans un endroit chaleureux, reposant. Elle s'assure que vous soyez entièrement satisfait. Le Castel-des-Prés, l'endroit unique à Trois-Rivières. Avez-vous déjà rêvé de vengeance? Lorsque vous perpétrez une vengeance, ne vous associez jamais avec un psychopathe comme Robert. Regardez Salut Bonjour et participez au concours Ma Petite Vengeance. Rendez-vous sur le site du film et racontez-nous votre petite vengeance. Du 6 au 10 novembre, 5 histoires seront lues en ondes. Un des auteurs méritera un forfait VIP pour la première du film à la Place des Arts le 14 novembre. Pour pas attirer les soupçons, il faut que ce soit petit.
guide de la petite vengeance, savourez le moment. À l'émission La vie en Mauricie, on vous propose la renaissance du Central Park avec deux jeunes qui pratiquent des sports extrêmes, mais c'est du sport extrême contrôlé, vous allez le voir. Et Frédéric Guichard, président de l'atelier Presse Papier, nous invite à participer à la campagne de financement. Depuis 30 ans, même heure, même poste. Pierre Bruno, toujours premier. Blessé en pleine forêt. Yvon Larocque, toujours présent. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci. Aujourd'hui, c'est inquiétant, Paul. Pour TVA 17h. Des questions, toujours des questions, celle de Martin, on l'a posé avant la pause, on répond maintenant. Est-ce que c'est vrai qu'une auto qui est branchée à moins 25 a plus, a une durée de vie plus longue qu'une voiture qu'on ne branche pas, Pierre? Une voiture qui est toujours branchée l'hiver, ça va vous donner une voiture qui va durer effectivement plus longtemps. On a des études techniques qui ont été réalisées qui disent qu'un véhicule, lors de démarrage par exemple, avec un lubrifiant qui est inapproprié, et à très basse température, va donner l'équivalent de 500 km d'usure au moteur. Est-ce que les gens craignent de brancher, Marcel? Souvent, les gens, même au contraire, sont fiers de ne pas brancher. Ouais. Ils partent faire moins 30. Ah, il a parti à moins 30. Ben oui, puis deux mois après, ça pisse ville à choisir. le résultat. Donc, branchez-les, c'est à barouette. Beaucoup de voitures sont standard des chauffe-moteurs maintenant. Ah, oui. Alors, il ne faut pas gêner, on sauve beaucoup le moteur. Puis la pollution aussi, vous réduisez beaucoup la pollution parce que vous consommez moins de carburant. Et les gens qui utilisent leur chauffe-moteur de courte distance vont réaliser souvent des économies de 10 % de carburant. Ça compense l'électricité. Ah oui. Claude posait une question. Moi, j'en pose en vrai, comme ça, tout mélangé. À quand le prochain spectacle? Après les fêtes, on décolle, on va aller en région, on va faire toutes les villes. On va y aller peut-être en deux étapes, étant donné qu'on s'est dû ça avec l'ouvrage au garage. Ben, c'est pas des blagues, il y a son garage depuis 21 ans. Ah oui, c'est... OK, Claude qui disait, lui, que Claude disait, moi j'ai un problème d'embrayage qui gèle l'hiver. OK, oui. À un moment donné, il dit, j'ai des problèmes, ça peut prendre une demi-heure, est-ce que ça peut s'embrayer? Oui. Fait quoi avec ça? Bon, si vous avez une voiture dotée d'une transition manuelle, il y a des lubrifiants synthétiques, des lubrifiants appropriés qui vont donner des bien meilleurs résultats. Et si vous avez ce problème-là avec une transition automatique, consultez votre garagiste. Quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, c'est important de savoir si c'est juste l'hiver, et ça semble être juste l'hiver, parce que ça peut être ses bras de vitesse, ça peut être les bouchons qui sont durs un peu. Oui. Mais si c'est juste l'hiver, c'est spécial. Ou il n'y a peut-être pas la bonne huile dès jour au départ. Dans puis j'étais surpris d'apprendre que quand tu survoltes une voiture à travers les petites cols que j'avais ici préparées par le CA, tu dois pas. Moi, je me dépêchais vite à enlever mes câbles dès que ça partait. Il faut le laisser à peu près 5 minutes. Hein, oui, c'est le temps de recharger la batterie du véhicule en panne, parce que lorsque vous débranchez le véhicule, l'alternateur, lui, arrive avec une batterie qui est en mauvais état, faible. Donc, il réagit. Mais il doit stabiliser le courant et il produit une surtension électrique. Ça dure quelques secondes. Vous allez voir souvent les lumières venir très blanches. Ça crée une surtension. Puis avec les voitures et les éléments transistorisés aujourd'hui, c'est très important d'éviter cela. Vous pouvez endommager un ordinateur ou souvent les phares halogènes vont être endommagés sur le véhicule. OK. Bien, Pierre, je vous remercie parce qu'encore une fois, ça a répondu à énormément de questions. Donc, le besoin est là. Sachez qu'il faut être prêt pour l'hiver qui s'en vient. Vous verrez sur mes images de fin. Marcel, c'est le fun de vous avoir rencontré. Ça prend du guts pour louer une salle, se lancer là-dedans puis continuer à en faire à travers le travail qui le garage depuis 21 ans. Allez, pour s'amuser, regardez, messieurs, là, si on n'est pas prêt, là, bientôt, c'est ça qui va arriver. Là. Pris dans la neige demain avec le vent et le froid. Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi pour un autre TVEnDirect.com. Bye-bye, tout le monde. Vous pouvez prendre connaissance des réactions nombreuses par courriel de nos téléspectateurs en consultant le site de l'émission sur tva.canoë.com. Surveillez notre nouvelle vitrine à Shopping TVA. Tout rentre dans l'ordre avec la housse Maxi Rangement. Gagnez 75% d'espace en évacuant l'air. Faites baisser le volume de votre garde-robe à 25% de rabais cette semaine à Shopping TVA. Ce dimanche. Bonsoir. Bienvenue au magasin TVA. Quand on se sent coquette, rien de tel que les robes de chambre Always Kikin. On n'y part toute la soirée. Ce dimanche, 19h30. Une présentation d'Epiderma, New Look et Vidéotron. On peut s'entendre vraiment? Une ère de famille prise dans les griffes d'un Shylock. Le négociateur, ce lundi 21h à TVA. Une présentation de Ford Fusion. Tu me dirais si t'avais fait quelque chose, Anthony. Tu l'as laissé partir tout seul avec ma fille. Prends tes affaires, va-t'en. Tu l'as abusé. Tu l'as déjà faibli plusieurs fois en plus. J'arrête, moi. Moi, je t'en prie, ce mercredi 20h.
On est déjà en grande conversation avec nos invités. C'est comme ça, entre les pauses, on fait la même chose. Bienvenue à l'émission La vie en Mauricie. C'est vendredi. Bravo. Tu vas faire beau fin de semaine? Je ne viens plus. J'espère que oui. On est dû pour une belle fin de semaine. On a des invités que vous avez peut-être déjà vus à la télé parce que, bon, je me souviens, entre autres, on avait fait un petit reportage dans le cadre de la météo aux 18h concernant le Central Park. On avait vu ces jeunes qui font des cabrioles extraordinaires, soit en patin, en roue alignée ou encore à vélo. Le Central Park, c'est très bien. C'est une nouvelle renaissance, en fait, pour le Central Park. On va en parler avec Mathieu Hiergeau-Bellemare et Alex Montembeau dans quelques instants. Magnifique visuel à vous présenter à ce sujet aussi. Si vous allez faire un petit tour au restaurant L'Essentiel, entre autres au centre-ville de Trois-Rivières, vous allez peut-être voir des œuvres que vous pourrez acquérir, si le cœur vous en dit, si vous avez un coup de cœur. Et puis, ces sous-là, qui seront dépensés par vous, vont aller directement à la campagne de financement pour l'atelier Presse-Papier, qui existe depuis déjà 27 ans dans la région, naissance en 1980. Et c'est une campagne de financement qui est hors du commun. On vous invite à y participer. Et pour nous en parler, on a la présidente de l'atelier Presse-Papier. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Frédéric Guichard avec nous, qui a adopté la région. Oui, oui, oui. Il y a trois ans à peine. Tout à fait, tout à fait. C'était un choix tout à fait voulu. Un choix artistique. Ouais, mais pourtant, Montréal, c'est la plaque tournante de l'art. C'est la plaque tournante, alors, mais c'est très grand. Alors pourquoi Trois-Rivières? On va se lancer des fleurs un peu? Oui, non. C'est petit. C'est... On a de la place pour tout le monde. Et il y a un centre d'artistes merveilleux. Ouais. Et il y a des festivités artistiques, un festival de poésie, l'art vocal, où on a le temps de participer, d'être bien, de pouvoir parler avec les artistes sans juste être pressé, opprimé par le temps, la place. Alors, je crois qu'il y a des belles associations entre les différentes formes d'art aussi. Oui, oui, la poésie avec l'art visuel, ça s'associe souvent, et puis c'est très bien. Non, vous avez raison. C'est un bon choix que vous avez fait. Oui, je ne le regrette pas du tout. Parlons de campagne de financement pour soutenir l'atelier Presse-Papier. Oui. Premièrement, on donne des sous à l'atelier Presse-Papier. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Pourquoi et de quelle façon on soutient l'atelier? Bon, mais c'est un atelier d'artistes autogéré depuis 27 ans, donc on le sait. Et on a toujours ceux qui nous suivent, savent que nous faisons des expositions, des projets. Et ces projets vont voyager à travers le monde. Et pour financer ces projets, pour pouvoir continuer nos activités, notre production, puis aussi notre façon de nous mettre un peu partout, bon, il nous faut des sous. Tout ne se bâtit pas qu'avec des prières. Exactement. Madame. Alors, c'est sûr qu'on reçoit un peu d'argent à droite à gauche. Il y a aussi toutes les inscriptions des membres dans l'atelier. Mais notre campagne de financement, c'est aussi une façon d'avoir un petit budget supplémentaire. Est-ce qu'on appelle ça un livre, ce qu'on présente ici? Okay. Effectivement. On s'est permis d'aller chercher des œuvres à l'intérieur d'un livre qui est disponible à l'atelier à Presse-Papier, toujours dans le cadre de la campagne de financement. Ce sont des œuvres à tirage limité, bien sûr. C'est seulement les artistes de l'atelier Presse-Papier. Oui, je pense qu'il y en a 26 membres qui offrent ces œuvres-là. Je vous dirais que c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Et il y en a combien dans ce livre-là? Il y a 26 œuvres et les écrits de l'écrivain Dany Laferrière. Dany Laferrière. Inspiration des écrits de Dany Laferrière pour créer ces œuvres-là. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut se les procurer de façon individuelle? Oui, tout à fait. Elles sont vendues individuellement. Alors, vous pouvez les voir, comme vous avez dit, au restaurant L'Essentiel, mais aussi à Presse-Papier, puis sur notre site Internet. Oui. D'ailleurs, le site Internet, on va vous donner le numéro de téléphone, c'est parce qu'il est un petit peu long, il ne rentre pas dans l'écran, mais voici le numéro de téléphone 373-1980. Une campagne de financement, bon, ça, ce n'est qu'une partie d'une campagne qui est annuelle, on a toujours besoin d'argent, mais exactement. Dans l'ensemble, on a besoin de combien de sous pour soutenir l'atelier Presse-Papier? Mais la campagne, on s'attend toujours à fonctionner avec un 3 000 et 5 000. Là, si on arrive à 5 000, on est très, 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 très heureux parce que ça nous permet de faire des créations un peu plus d'envergure ou de mettre un peu plus de sous sur le projet, d'inviter des personnes. Et une campagne de financement, c'est faite pour faire la promotion et se faire voir un peu. Et là, on tente de s'associer un peu avec le monde des affaires et le monde culturel. Oui. Qui pourrait faire un beau partenariat? Exactement. Puis cette année, on a un très, très bon président d'honneur, M. Patrick Charlebois, qui est venu avec nous. Qui est président de l'Office du tourisme aussi. Et vraiment, je pense que ça va être un très bon partenaire pour cette année-là, 2006-2007.
bonne campagne de financement et je vous invite à vous rendre à l'atelier presse-papier pour... Je sais qu'il y a toujours des expositions qui sont disponibles au restaurant L'Essentiel. Si vous voulez voir les œuvres qui sont dans ce livre-là, vous pouvez vous les procurer de façon individuelle. Voilà, c'est difficile à dire, ça. Oui. Et puis, une excellente campagne, ma chère. Merci beaucoup. Salutations à toute l'équipe. Merci. On fait, avant la petite pause, je vous présente un numéro de téléphone. C'est notre numéro de téléphone concours. Parce que le 10 novembre prochain, c'est la présentation du film Le Guide de la Petite Vengeance, présenté par TVA Film. Et on vous offre un laissez-passer double pour aller voir cette nouvelle production. Ça ne peut pas manquer. C'est, je le mentionne souvent, mais c'est Ken Scott qui a écrit La Grande Séduction. Et vraiment, la signature devrait être très, très, très belle. 10 novembre prochain au cinéma Fleur de Lys, on retient l'appel numéro 3. Et on vous souhaite bonne chance. On est de retour avec Mathieu Hiergeau-Bellemare et Alex Montembeau pour nous parler de Central Park dans quelques instants. Samedi 27 janvier, à la salle J. Antonio Thompson, La Forêt des Mal-Aimés de Pierre Lapointe. J'attends toujours que les discours. Achat téléphonique 819-380-9797. Alien Sport. Votez sur tva.canoë.com, provigo.ca ou au 1-900-882-PROVIGO. Vous pourriez gagner une évasion gourmande à l'hôtel Le Chanteclair. Qui a la recette qui fera craquer le Québec? La Commission de la Capitale-Nationale du Québec est fière de s'associer au réseau TVA pour vous présenter les matchs de demi-finale et de finale du Challenge Bell les 4 et 5 novembre dès 12h30. La Commission de la Capitale-Nationale du Québec salue la présence de grandes joueuses de tennis à Québec. Les nouveaux galas Juste pour rire sont arrivés. Et ce vendredi, tout le monde est réuni pour que le gala soit fou, fou, fou. Attention, c'est parti, mon kiki! C'est toi qui s'en sers ou c'est moi? On est loin de Clémence Desrochers. Le gala Juste pour rire, ce vendredi, 21h. Alors, c'est l'heure du commentaire de Claude Poirier. C'est 17h27. Claude, les délateurs qui reviennent régulièrement dans l'actualité, mais ce soir, c'est qu'on attend une décision très importante à sujet des délateurs de la part du juge Martin de la Cour supérieure. Oui, il a pris la requête en habeas corpus en délibération. Il va rendre sa décision au mois de décembre. C'est la première fois depuis que le groupe qui a été formé par Jim Boivin, qui a dénoncé à plusieurs reprises les problèmes que les délateurs avaient, c'est la première fois qu'un juge de la Cour supérieure est saisi du dossier. Ce qu'on a appris aujourd'hui dans les plaidoiries, mais ce qu'on a appris durant les procédures, c'est qu'on se servait du PEMO pour mettre des gens en liberté. Savez-vous, Pierre, que présentement, il y a au moins 6-7 personnes qui ne devraient pas être en liberté, qui sont en liberté illégalement parce que le système a voulu, on leur a promis, ces gens-là, venez témoigner et vous allez être libérés. Dans le cas de Bergeron, Jean-Claude Bergeron, il a eu le malheur à un moment donné de participer à la création du groupe de Jim Boivin et c'est la raison pour laquelle, depuis 12 ans, il est à l'intérieur des murs, il a dénoncé le système. Donc, le juge Fraser Martin aura à se prononcer sur le cas de Bergeron, mais on espère qu'au moins il va apporter certains commentaires sur le système qui existe. C'est inacceptable que dans notre société, des gens qui ont été des personnes dangereuses, des personnes qui ont été pour le crime organisé, ont pu être remis en liberté. Des sentences de 12-15 ans, puis après le 1/6, ils ont été remis en liberté. Moi, j'ai hâte de voir, là, à la suite de ce qui s'est passé, versus la requête devant le juge Fraser Martin, ce que nos politiciens, autant à Québec et à Ottawa, vont faire. Parce que M. Harper dit, depuis qu'il a été élu, puis avant la campagne électorale, a dit, il faut faire attention, surtout de ne pas remettre des personnes, des criminels notoires, en liberté. C'est un système qui me fonctionnait depuis des années. On parle depuis 92, mais au cours des opérations 2001. Et la question qu'on peut se poser, Pierre, à la suite de ça, tout dépendra de la décision du juge Fraser Martin. Est-ce que des avocats de la défense vont présenter des requêtes pour ouvrir des procès où des clients ont été condamnés sur le témoignage des témoins repentis, des témoins délateurs? C'est une cause extrêmement importante. Ça a pris du temps. Le groupe de Jim Boivin s'est battu depuis des mois, pas dire des années. Mais pour la première fois, on a entendu ça en public ici au Palais de justice.
ça s'est terminé, décision au mois de décembre. Mois de décembre seulement. Alors, le juge prend ça en délibéré. On verra ce que ça donne au mois de décembre. Merci, Claude. Au revoir. Alors, on le rejoint. 598-2857 pour rejoindre Claude Poirier sur sa boîte vocale. Merci, Claude. Au revoir. Maintenant, on parlait tantôt, et en début de bulletin, bien sûr, de la violence et ces événements dont on vous a parlé du côté de Brossard en début de semaine. Paul, j'ai bien hâte d'entendre les résultats de votre petite enquête parce que vous nous avez tantôt, ça suscite beaucoup d'intérêt. En tout cas, vous avez dit être allé voir ailleurs également. Ouais. Et c'est pas le seul endroit où vraiment on vit du taxage ou des choses semblables. Absolument. Et Pierre, j'ai pensé que ça vaut la peine de prendre quelques instants pour essayer de voir, de comprendre ce qui s'est passé ici. Parce qu'on se dit que si ça arrive ici, ça peut arriver partout autour de chez nous. D'abord, rappelons les faits. Mardi soir dernier, il y a deux individus qui ont été attaqués gratuitement. Un qui a été poignardé, par, dit-il, voyez les images, par un groupe de jeunes. Ce n'est pas un incident isolé, les autorités ont beau dire, Pierre. Pourquoi? Je me suis promené ici aujourd'hui. Et d'abord, je vais vous faire entendre un témoignage de gens, des adultes qui travaillent tout juste en face de l'école. Deux dames que j'ai rencontrées qui ont accepté de me parler, mais ne voulaient pas être filmées de crainte de subir des représailles plus tard. Écoutez ça, elle nous raconte un peu le climat qui prévaut ici dans le jour à certains moments. Pourquoi vous ne voulez pas témoigner à la caméra? Par crainte de représailles, parce qu'on sait... De représailles? Bien, d'une certaine façon, oui. Je pense qu'on pourrait... nos voitures, ou même voir nous-mêmes. Là, c'est à ce point-là, c'est violent? C'est arrivé une dame au deuxième étage qui a déjà manifesté là, son mécontentement, puis elle s'est fait dégonfler ses pneus. C'est vrai qu'il y a de la violence? Oui, il y a de la violence. Oui, il y a de la bataille. Nous, on a dû, quelques fois, on a appelé les services de police de la ville de Brossard. Vous appelez la police? Oui. Oui, oui, il faut. C'est arrivé souvent? À quelques reprises, oui. Ah ouais? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils font, la police, en ce temps-là? Bien, ils viennent ici. Et puis, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est d'essayer de disperser la foule, de disperser les jeunes, les retourner de l'autre côté, empêcher le flanage. Et ça recommence? Évidemment. Oui. Ils viennent ici deux, trois, quatre midis de fil, une semaine de fil, à un moment donné, on les voit plus. Là, ça recommence, on les rappelle. Ouf, ils reviennent de façon quotidienne. Ça vient par part. On marche sur des œufs ici. Ça, ouais. Le seul temps qu'on y vient, malheureusement, c'est les vacances d'été. Donc voilà, ça c'est le climat en face de l'école. Mais que se passe-t-il dans l'école, Pierre? Le directeur, il s'appelle Didier Mendez. Pour lui, il n'y a pas vraiment de problème. Écoutons-le. Près de 80 nationalités se côtoient dans notre école. Et je peux vous assurer que nos élèves sont bien encadrés, que le climat est harmonieux. Parce qu'effectivement, Pierre, c'est une école qui est très performante, qui avait bonne réputation. Mais que se passe-t-il au juste? J'ai rencontré des élèves, des groupes différents, pas le même groupe, si on veut. Et un point de concordance, et tous me racontent la même chose, c'est qu'il y a un climat de plus en plus tendu, un climat d'agressivité, même de violence, entre des étudiants, entre des groupes d'étudiants. Écoutez ça. Il y a beaucoup de bagarres et tout ici. C'est pas ça. C'est vrai qu'il y a, y a de la bagarre. C'est les Latinos contre les Arabes, là. Ils sont en train de se battre. C'est plus des guerres de race. Racontez-moi comment ça se passe. Je sais pas, mais quand ils arrivent pour se battre, il y a toujours la directrice ou les servantes qui viennent, puis ils commencent à arrêter ça, puis ils appellent la police pour qu'elle midi se promène. Du monde d'autres écoles qui viennent ici, puis ils se battent ici. Surtout, tu sais, des batailles là, à cause du monde qui part des rumeurs, puis il y a souvent des batailles de nationalité. Le racisme. Le racisme, c'est vraiment fréquent. C'est juste. C'est qui contre qui les batailles d'habitude? Souvent, c'est les Noirs, les Latinos. Des conflits de nationalité. Les Afghans. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Ben, non, la plupart du temps, c'est la revanche. Il y a beaucoup de revanche. Là. Le monde, ils reviennent revoir les personnes qui ont déjà eu des problèmes avec. Ils ne reviennent pas tout seuls, ils reviennent en gang. Vous, est-ce que vous avez vu des battants? Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Souvent, des frappages avec des grosses vagues qui frappaient dans la face. Des batons de baseball. À ce point-là? Baseball, cassé, bâton de baseball dans le visage. Ouais. C'était une gang contre un, genre le gars est à terre, puis c'était toute une gang contre un. Le gars il est tout seul, mais eux autres vont pas un contre un, c'est une gang contre une personne. Ouais, la dernière fois, il était 12 contre un, puis en plus, il y avait des battes de baseball, puis des bagues, puis... C'était quand, ce qu'il y a longtemps? Deux semaines. Il n'y a même pas 2 semaines ou 3 semaines. Deux semaines? S'il n'y a pas de la police, il y en aura à chaque jour. C'est sûr, ça fait peur, des fois, t'entends comme l'histoire qu'il y a eu à Dawson. Là, ça serait genre, ça allait parler pendant toutes les écoles secondaires. Après, il y a de la bataille des battes de baseball, tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver à moi?
Oui, on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétude là. Mais quand les jeunes parlent de gangs, est-ce qu'on associe ça à des gangs de rue? Non, ça c'est important de le dire. Oui. On n'est pas rendu à ce point-là, Pierre. Mais pourquoi tente-t-on ou cherche-t-on à minimiser le problème? Pourquoi fait-on en sorte que les jeunes se sentent, vous l'avez entendu, laissés à eux-mêmes? J'ai l'impression que c'est la meilleure recette, Pierre, pour s'acheter bien des problèmes d'ici peu. Voilà. Merci. Une histoire horrible de pédophilie, ça se passe sur Internet du côté de London, en Ontario. Un homme là-bas qui a été arrêté alors qu'il agressait sa propre fille devant sa webcam. François Guérin, cette arrestation d'ailleurs qui est le fruit d'une longue enquête de la police. Oui, parce que des policiers avaient commencé à s'intéresser au cas de ce pédophile en janvier dernier, donc sous une autre identité. Il correspondait avec lui, évidemment en tentant de le prendre au piège, mais ne s'attendait jamais à ce qui s'est passé dimanche dernier, alors qu'ils étaient en conversation, en clavardage avec lui sur Internet. En direct, ils ont assisté à une agression qu'il faisait sur sa propre fille devant sa webcam. Le policier qui a assisté à tout ça, évidemment, en a eu, avoue-t-il, des hauts le cœur. Il a tout de suite, c'est un policier de Toronto, il faut vous le préciser, qui a tout de suite contacté la police provinciale de l'Ontario et la police de Saint-Thomas, la ville où avait lieu l'agression. On a localisé l'endroit où était l'ordinateur et en dedans de 2 heures, l'individu en question a été arrêté. On parle d'un homme de 34 ans et sa petite victime, sa propre fille, serait une enfant de moins de 5 ans. Elle a été évidemment prise en charge par le service de protection de la jeunesse de l'Ontario. Mais c'est une histoire, semble-t-il, Pierre, sans précédent dans ce à quoi ont pu assister les policiers spécialisés dans ce genre d'enquête-là. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus de ces cas de pédophilie sur Internet. Je pense qu'au Québec également, les policiers font la chasse présentement, et avec raison. Oui, absolument. 24 heures sur 24, des policiers de la Sûreté du Québec, l'escouade de cybercriminalité qui scrutent donc l'Internet, évidemment, doivent se concentrer sur certains criminels en particulier. Mais je peux vous dire que ces policiers et ces policières-là sont des pères et des mères de famille. Ils assistent et ont parfois accès à du matériel qui vraiment lève le cœur. Donc, beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là, Pierre, mais une histoire qui nous rappelle qu'il y en a encore beaucoup à faire. Mais je veux juste revenir sur le cas de London, en Ontario, parce que vous dites qu'on le chassait depuis 6 mois et on ne l'avait pas encore localisé. Oui, probablement qu'il n'y avait pas encore assez d'éléments, Pierre. Écoutez, je n'ai pas tous les éléments de l'enquête, mais probablement qu'il n'y avait pas encore assez d'éléments pour que les policiers puissent procéder à son arrestation. On attendait simplement l'occasion, là, qu'il ouvrirait son jeu, comme on dit, et malheureusement, on ne s'attendait sans doute jamais à ce qui s'est passé dimanche. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Et si on y allait pour un petit tour du Québec, Colette? Avec plaisir. De nous rafraîchir ce soir. Oui, c'est le cas, puisque les températures vont demeurer sous les normales saisonnières. Juste pour vous donner un petit comparatif, il est normal qu'on ait tout près de 1 degré la nuit, ça sur le sud-ouest et le centre du Québec, et près de 8 ou 9 degrés comme maximum. Et vous allez le constater dans quelques minutes, dans quelques instants, que les températures seront vraiment plus fraîches. Alors, pour le sud-ouest, on regarde en détail ce que ça va donner. Pour la soirée et la nuit prochaine, en général, on parle de passage nuageux, sauf pour l'Estrie, le ciel sera couvert. Des températures cette nuit qui varieront entre moins 5 et 0 degrés. Il y aura également des nuages pour la région des Laurentides. Demain, tout comme aujourd'hui, beaucoup plus de soleil le matin, des nuages qui pourraient se former en après-midi. On ne parle quand même pas de précipitations, donc ce sera une belle journée, à l'exception de l'Estrie, où là, le ciel sera couvert et on prévoit un peu de neige au cours de la matinée et de l'après-midi. Pas d'accumulation et cette fois des maximums de 1 à 4 degrés. Pour les régions plus au centre, il restera des nuages ce soir et cette nuit pour Québec, le Bas-Saint-Laurent et pour les Bois-Francs. Ailleurs, la tendance sera au dégagement graduel un petit peu plus frisquet, moins 3 à moins 1 degré, sauf 4 pour les îles de la Madeleine. Et demain, les nuages seront fréquents en après-midi pour les îles de la Madeleine. Un peu de neige pour la région de la Beauce et partout ailleurs, ce sera beau. Au nord et à l'est, il y a un petit système dépressionnaire qui pourrait laisser de la neige ce soir et cette nuit pour l'Abbaye-James, Fermont, l'Abitibi-Témiscamingue. Le ciel sera couvert pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Passage nuageux pour l'extrême-est et demain, encore une fois, de la neige pour tous les secteurs plus au nord et ce sera beau pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Alors, je vous invite à rester avec nous, je donne tous les détails un petit peu plus tard. À ce rythme-là, des températures pareilles, on ne doute même pas qu'on va avoir de la neige dans le temps des fêtes. Ça sent bien. Hein? Hey, vous savez que le Père Noël, elle arrive à la place Versailles cette fin de semaine. Elle arrive parce que c'est une femme cette année, le Père Noël. Ah oui? Je ne savais pas. Non, c'est une blague. Okay. Peut-être qu'un jour, on verra ça. Peut-être. Pourquoi pas, Mère Noël? Merci. Au retour, un navire suédois fait naufrage en mer Baltique. Des moments dramatiques. À 18h, des garderies qui se sentent de plus en plus surveillées par Québec. Je me sens comme si j'ai un fusil sur la tempe. Ces virus dangereux pourraient se trouver sur les surfaces que vos enfants touchent et votre famille pourrait en être malade.
Et il se peut que votre nettoyant régulier ne tue pas les virus. Alors aidez à protéger votre famille grâce à la puissance sans pareil du vaporisateur désinfectant Lysol. Il tue 99,9% des bactéries et des virus. L'effet? Lysol est la marque la plus recommandée par les pédiatres. Pourquoi faire confiance à autre chose? Lysol. Désinfecté pour protéger. La joyeuse saison de la tempête de rabais est de retour chez Auto Pneus Paco. Profitez-en pour économiser jusqu'à 80$ à l'achat de 4 pneus Goodyear et passez de joyeuses tempêtes sous l'aile de Goodyear et d'Auto Pneus Paco, 3 succursales à Trois-Rivières. Les nouveaux repas congelés de Knorr. Des plats dignes d'un chef, faits d'ingrédients authentiques. Poulet assaisonné, champignons portobello, vin blanc. Pas le genre d'ingrédients que vous attendez d'un repas congelé. Leur goût n'a rien à voir avec les autres repas congelés. Bref, vous n'aurez plus honte des plats congelés. Les nouveaux repas congelés Knorr, le petit quelque chose de plus. Les magasins Brick fermeront vendredi. C'est le plus grand solde. Pour préparer la plus grande vente de l'année, consultez maintenant la circulaire de 12 pages sur brickenligne.com. Ce samedi seulement, économisez 50% sur tous les sofas en cuir, sur les ensembles de salle à dîner, les lits et les matelas. Économisez 15% sur les écrans géants et 20% sur les ensembles cinéma maison et audio. Ça fait mon affaire. La plus grande vente de l'année, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Au Québec, Brick est imbattable. La joyeuse saison de la tempête de rabais est de retour chez Auto Pneus Paco. Profitez-en pour économiser jusqu'à 80$ à l'achat de 4 pneus Goodyear et passez de joyeuses tempêtes sous l'aile de Goodyear et d'Auto Pneus Paco, 3 succursales à Trois-Rivières. Chaque jour, ayez le bon réflexe, le plus rapide, le plus efficace, pour tout capter, pour ne rien manquer. Ayez le bon réflexe, LCN. En primeur ce samedi. Bienvenue à Poudlard pour cette nouvelle année. Ridiculous. Que la magie continue. Tu es sans grand danger. Est-ce que ça a à voir avec Sirius Black, monsieur? Il veut te retrouver. Harry, Hermione, partez! Alors Isabelle, tu vas nous dire où tu t'en vas et avec qui tu pars. En tout cas, les gars, je pourrais pas dire que je suis pas chanceuse avec Passion Double. Troisième voyage. Je m'en vais à Jamaïque et avec le beau Robin! C'est un grand jour à Occupation Double. Oh, mon cher Marie, merci. Ça valait la peine d'attendre, hein? Eh oui, là, hein, on sent le fun. T'es passé du menuet au Go-Go Boys. Ça, faut le faire en maudit. Ça fait quand même 6-7 semaines qu'on est ensemble ici. Là, écoute, il fait le menuet, puis après ça, il se met dans le Go-Go Boys. Au retour, la soirée des mille et une tentations. Et à venir, les gars entendent la voix du public. Robin, les gens considèrent que t'es un trop bon gars. Que ça apporte une espèce de côté mou. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant d'Occupation Double se partagera un grand prix d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars qui comprend une magnifique maison du groupe Alugio, deux Pontiac G5 GT 2007, un ameublement complet de chez Germain Larivière, un ameublement extérieur et des appareils d'exercice de Club Piscine Super Fitness et un voyage pour deux n'importe où dans le monde offert par Slim & Light. Occupé. Veuillez patienter.
Bonjour. Les vœux disponibles sont des gros lots de 100 000 dollars, des Toyota Camry hybrides, des voyages ou des centaines de milliers d'autres lots. Pensez-y pendant que je réponds à quelqu'un d'autre. Pas de répit pour les gîtes. Avec Lance Magique, l'instantané, vous avez au total une chance sur trois de réaliser un vœu. Une ingénierie allemande de classe mondiale. Le premier rasoir électrique au monde avec l'expertise de la technologie des lames Gillette pour un rasage Brown plus précis et plus confortable que jamais. Il est même auto-nettoyant et rechargeable. Le 360 Complete de Brown. Précision, contrôle, perfection. Si vous pensez que toutes les piles se ressemblent, réfléchissez à ceci. Quand les chercheurs distribuent des caméras au pôle sud, tout peut arriver. Pour s'assurer que leur Criticam ne rate jamais une prise de vue, National Geographic se fie à Duracell. Duracell, on s'y fie partout. Des rabais de rêve pour des cadeaux de rêve. Cette fin de semaine, c'est Super Samedi Dimanche chez Sears. Il y a de gros rabais dans tout le magasin. Par exemple, toutes les lumières de Noël à prix régulier sont en solde. Avec en vedette, des lumières d'ailes à $7,88. De plus, si vous utilisez la carte Sears ou la carte Mastercard Sears pour acheter de gros appareils ménagers, des meubles ou des appareils électroniques, vous obtiendrez le double de points. Des rabais de rêve pour des cadeaux de rêve. Mon rêve, chez Sears. L'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour la disponibilité des professeurs, la qualité des programmes, la vie sur le campus. Une université pour moi. Porte ouverte à l'UQTR le samedi 11 novembre de midi à 16 h. L'une des raisons pour lesquelles le Centre fiscal et ses employés s'impliquent depuis plusieurs années à la campagne centrale, c'est que l'argent retourne dans la collectivité de la Mauricie. Alors, ça fait partie de la fierté des gens. De contribuer, de retourner à la société, ce qu'il faut. Centraide, le lien entre vos dons et les organismes de notre communauté. Centraide Mauricie subventionne les calaxies de notre région pour nous aider à bâtir un monde sécuritaire pour toutes les femmes. Donner, on peut faire plus encore. L'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour la disponibilité des professeurs, la qualité des programmes, la vie sur le campus. Une université pour moi. Porte ouverte à l'UQTR le samedi 11 novembre de midi à 16 h. Les confidences d'Occupation Double, ça vous intéresse? Visionnez l'intégralité des capsules Évasion Pontiac sur Hélico sur demande en syntonisant le 900 et découvrez toutes les révélations des participants. Carburez à l'émotion avec les Évasions Pontiac. Surveillez sur Internet la tribune téléphonique d'Occupation Double, animée par Jasmin Roy et Isabelle Lacasse. On va avoir plein d'invités, des entrevues, alors restez avec nous. Du lundi au mercredi à 19h30 et le jeudi à 21h30 sur OccupationDouble.com. Ce vendredi, les demi-finales commencent. Le concours se corse à présent. Tu es génial. Les juges seront encore plus critiques. C'était ennuyant. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Allô, allô. Mesdames et messieurs, bienvenue au quiz. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons un quiz pour vous. Un quiz assez spécial. Et pour ce faire, je vais d'abord demander aux trois gars d'aller dans votre chambre. Le quiz va commencer avec les trois filles. Alors, vous allez répondre à mes questions. Ce sont des opposés. Êtes-vous chien ou chat? Alors, vous allez répondre en cochant qui vous êtes parmi ces opposés-là. Les gars, je vais demander de descendre, s'il vous plaît. Lors de la troisième audition des garçons, on leur a posé ces questions-là. Alors, afin de savoir si vous avez des affinités ou, au contraire, si vous êtes à l'opposé, on va présenter ces vidéos des garçons. Et vous allez vous-même corriger votre questionnaire pour savoir si vous avez la même réponse que David dans un premier temps. Amour ou passion? Les deux vont ensemble. Une épouse ou une maîtresse? Épouse. Homme rose ou macho? Entre les deux. Les doubles ou les kings? Double. Manuel ou intellectuel? Intellectuel. Alors, on va prendre le verdict. Isabelle et David, 7. 5. Oui, ok, 5 sur 12. Ouais, ça m'a dit ça. Allons-y pour Robin. Que épouse ou maîtresse? Épouse. Chien ou chat? Chien. Homme rose ou macho? Macho. Amour ou passion? Passion. Les doubles ou les kings? C'est les kings qui est le plus gros. Manuel ou intellectuel?
Félix. Oh, oh, hey. On poursuit avec Grégoire. Une épouse ou une maîtresse? Une épouse. Chien ou chat? Chat, je pense que c'est moins de d'occupation. Amoureuse ou macho? Un peu des deux. Peut-être macho. Amour ou passion? Passion. Les doubles ou les kings? Doubles. Manuel ou intellectuel? Manuel. Les opposés s'attirent ou les contraires s'attirent? Donc, Cindy, c'est toi qui casseras de rendez-vous doux avec Robin un peu plus tard dans la soirée. Ouais. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Oh, yo! On va fumer de la chicha! Yes! Oh, oh yeah. Wow! Yo! Ben, ouais, okay. Oh, non. Oh, c'est dans mes bouts! Oh, j'aime ça! Bonsoir! Bonjour! Bienvenue au Palais des Mille et Une Nuits. Oh, alors, je vous montre en début de soirée la lampe merveilleuse. Un candidat tournera la lampe et la lampe s'arrêtera sur un autre candidat. Et la personne qui aura tourné la lampe pourra demander de lui exaucer son souhait. Je vous laisse passer une très belle soirée. Bon. Je vais tomber sur un gars. C'est Robin. J'aimerais pour la soirée que tu sois mon serveur. Je serai à votre service. Marie-Pierre. Ouais, c'est Marie-Pierre. J'aimerais voir les filles danser pour moi. Donc, s'il vous plaît, maestro. Ah non, t'as tout fait. Dans un rêve, c'est ici. Quoi, là, c'est... Ah oui, vas-y. Quand on est bon, en fait. Je suis un malade. C'est ça qu'il faut faire. C'est dans la viens devant mon ruban. C'est quoi qu'il faut faire? On va montrer ce qu'il faut faire. Regardez-moi pas. OK. Merci. Merci. En fait, c'est des petits bouts. Je veux savoir un verre d'eau. Oui. Voilà. C'est bon quand même. Est-ce que tu veux te mon esprit pour la soirée? Bien sûr, maîtresse. All right. Je vais te prendre un verre d'eau. Oui, maîtresse. Wow. Cindy, tu vas avoir exactement 15 secondes pour charmer le Sheik Grégoire. Le Sheik Grégoire. OK, non, mais moi... Non, non, je sais pas. Comment t'es séduit, toi? Y a-t-il quelqu'un qui prend le cloque, là? J'ai dit 15. Pas pire, là, 15, 10, non? Ça fait 15 secondes. On s'est même pas embrassé. C'est chaud aussi, hein? Ouh! Ouais. Oh, il a chaud! Ah! Oh! Hey! Ça, c'est Cindy ou c'est Grégoire? Attends un peu. C'est Greg, ça? Je passais dans cette baladie. Oh, Greg! Oh, oui. J'ai trouvé. Merci, merci. Il m'a dit oui. Que c'était l'action par cela. Ben oui. Oh, ça va être bon. Oh my God. Ah, oh, c'est délicieux. Ça, je vais manger. J'aime ça. D'agneau, peut-être? C'est moi. C'est pas l'été, ici. Merci. C'est pas l'été. N'importe quel. Ouais, c'est chouchou. Ouais, je me sens super bien. C'est super. Tu vas y parler pendant encore 2-3 jours. Il y a du thé à faire pour vous. Ouais. C'est moi qui est censé y aller. Il y a de l'eau chaude. Je me suis fait tromper, mais... D'eau chaude, s'il vous plaît. Je sais pas faire le transfert en max. Je sens que je suis pas ton genre, que je t'attire pas là. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Puis j'ai toujours essayé d'être avec des filles qui sont qui aiment bouger, qui aiment faire des choses. Les trois, vous êtes comme ça. Fait qu'il y a pas de raison qu'avec toi, je me sentirais pas boitier ou rien. J'ai hâte de pas faire quelque chose avec toi. Je suis content que tu sois avec toi ce soir. Et je suis aussi content avec Cindy parce que Cindy, elle vient me chercher d'une façon que je sais pas pourquoi. C'est sûr que... Qu'est-ce que... Je sais pas.
Je veux pas faire la peine à personne. Pourrais pas que tu te fasses la peine en toi non plus? Non, non. J'ai vécu avant. C'est juste que... Je me suis fait une carapace, au fond. C'est le même la vie. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te dise? Faut te voiler? Tu veux faire un massage capillaire? Ok, merci. Tu vas de bon sang. Bon ben, salut tout le monde. Bye. Hey, ciao, ciao. Yo. Bon, on se revoit tantôt, sûrement. Oui, ben, ciao, ciao. Wouhou! Glicking ou double? C'est King, là, c'est clair que ça va être King. Ben oui, ça se fait plus de près. Chien ou un chat. Plus grand terrain. Chien ou chat, il n'y a pas un mot de chat qui rentre chez nous. Robin! Zéro chat! Ah! T'es un gars qui est un gentleman comme j'en avais rarement vu dans ma vie. Mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vu le petit côté givré. Moi, je crois David avec la personnalité qui garoche, qui pète des coches, qui se baigne là pis qui aime ça là. Qui aurait ça qui fait l'amour là avec passion là, pis qui se peut plus pis qui se réconcilie comme un champion là. Je fais toujours l'amour avec passion en passant. Mais moi j'y crois à ça là. Ouais. Je pense qu'il y a personne qui l'a vu là. Hey, ça prend. Ouais. Ça prend bien plus que ça. Hey, là, tu m'as même pas convaincu de manger du tofu. Ah! As-tu déjà mangé du tofu? Oui. Mais moi, jamais. Ben, peut-être un peu par accident. Ah, c'est pas en train de manger du tofu j'en pour avoir des chats. Je sais, mais j'en ai mangé par accident du tofu. Là, le tofu, il est même pas là. Il est même pas dans l'assiette encore, là. T'as même pas besoin de manger du tofu pour avoir des chats. Ça, c'est la beauté de la chose. Tu peux manger tout ce que tu veux et avoir des chats en même temps. On parle un peu de la comment convaincre quelqu'un, là. Fait que là, moi, j'ai même pas de tofu encore dans mon assiette, là. On est pas rendu au chat. Avec des sons de main, peut-être, là, mais il faudrait vraiment que tu sois convaincante, là, c'est oui, lui, mais là. C'est tout. Écoute, je laisserais ça à neutre. Puis si tu étais capable de me convaincre, ah, peut-être... Ah, oui. Peut-être que... Si je la passe, là, je passe. Non, je sais. Mais ça va me tuer, là. Moi, là, je passe ça aussi, mais avec un sentiment de... C'est un non-accomplissement. Je vais être frustrée et je vais être déçue. Parce que je peux pas agir comme ça. Mes désirs ont trop. Toi. Non, ça me tue. Parce que si on a t'as l'air pas de se faire dire non, là. C'est chaud. Fait qu'on est deux. Ouais, tu me dis non, là. Ouais, mais c'est ça qui arrive aussi, fait que je suis comme. J'espère que des noms là, pour me faire sentir mieux au moins. Non, pas mieux, mais genre. Moins horny, genre. Diable. T'as été chanceux. Hein? T'as été chanceux qu'on soit pas pareil. Ben oui. En tout cas, allez en pas ces chats! Let's go! Bon. On est bien là. Vu que je suis diabète, je vais tranquille. Il devrait serrer sur la maquille, on s'en servira plus jamais. On pourrait y aller? Donner la maque? 30 secondes pour dire qu'on s'en est servi une dernière fois. Ok, go. Okay. Hey, moi, je suis pas capable d'aller là-dedans, frère, tout le monde. Tantôt, là. Tantôt quoi? En fait, c'est une démo Frenchie, là, pis j'étais pas bien. T'as Frenchie? Eh oui, pis j'étais pas bien. Qu'est-ce que ça? Je te dis, garde, parce que je suis pas grosseur. Qu'est-ce que ça? Ah, oh, j'étais pas bien. C'est parce que j'aime pas Cindy, parce que. C'est quoi qui se passe ici, là? Je suis pas habile là-dedans, là. Frenchie tout le monde, pis. Attends, c'est ça? Oui. Ben, tu l'as embrassé aussi. T'es déçu de ça, hein? Non. Ce que je te dis. Mais garde, là, garde, je pense que Robin a Frenchie tout le monde ici, là. Mm-hmm. Le mari, là, voilà, va la prochaine GD, va s'asseoir.
Et l'autre qui aime clencher, c'est quoi qu'on veut... C'est quoi tu veux croire après? Il n'y a plus rien à croire. Je dis Mais je sais, c'est pour ça. Tu comprends? C'est ça que je dis depuis le début. C'est pour ça que je veux garder la magie depuis le début. Je veux en clencher un, pas les trois. Wow. Et ça, Cindy? Bon, oh, j'ai embrassé Cindy, là. 5 de même. T'as oh, dit Cindy est venue me voir, puis j'étais en haut, puis je t'ai pas encore embrassé, puis je t'embrasse. OK, en haut, ici, au début, là. Mais, la porte de porte, puis dit, ah, oh, tu sais, faut-tu que je te fasse un massage capillaire, puis ça passe la main, tu sais, il passe la main dans les cheveux. Fait qu'on peut t'embrasser, mais... C'est ça. Je me à mon tête, elle m'a vu embrasser Cindy. Ah. Je l'ai embrassé pendant genre 10 secondes, Marie-Pierre a vu ça, pis. Tout va bien, tu sais, je veux dire. Écoute, tout le monde s'est planché, c'est beau, là. C'est pour ça. De? Qui est allé te voir? Il t'en descendu en bas, ben non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est sûr que non. Encore tout. Tu sais pas de ce que je t'ai dit? Non. Ça fait longtemps que j'ai abandonné la game de ce que je veux dire. Tu veux que je te dise quand j'ai abandonné? Tantôt. Après que ça soit arrivé, là. Avec Cindy? Moi, ouais, j'ai tout abandonné tout ça. J'ai dit, OK, c'est bon. Ceux qui sont à jamais, levez la main. Yeah! Yeah, man! Dans un instant, Isabelle et Robin se découvrent en Jamaïque. Je me sens belle, je me sens genre fine, je me sens intelligente. J'aime ça, être avec vous. Et un peu plus tard, un vote décisif. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Son plus grand rêve est devenu réalité pour un homme du Saguenay. Il a volé, un baptême de l'air inoubliable pour Martial Tremblay, qui souffre de dystrophie musculaire et du cancer d'intestin. Grâce au groupe communautaire Falardeau et à Air Saguenay, il a pu voir la vie de haut. La bonne nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. En 1984, il y a une institution financière qui a vu que le cirque irait loin. Aujourd'hui, même au bout du monde, c'est toujours la nôtre. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins, Lamar, Brooks, le mieux. Enfouie dans vos cheveux se cache une couleur précieuse. Dévoilez-la avec Pantene Expression pour brunette, blonde et rousse. Les formules provitaminées Lustre Couleur illuminent votre couleur comme un joyau et font briller chaque facette de mille feux. De votre couleur, voyez l'éclat somptueux comme un diamant précieux. Découvrez le nouveau look de la collection Ravie de Couleur Pantene Expression. La beauté des cheveux de l'apparence saine. Et maintenant, essayez le nouveau Ravie de Mèche Expression pour blonde. Vous économisez davantage. Es una institución financiera de su país que nos ayuda a crear empresas y a desarrollarnos. Viéndolo bien, a mí también me beneficia. C'est plus qu'une banque, c'est Desjardins, Sanchez, Garcia, Pérez. La joyeuse saison de la tempête de rabais est de retour chez Autopneus Paco. Profitez-en pour économiser jusqu'à 80$ à l'achat de 4 pneus Goodyear et passez de joyeuses tempêtes sous l'aide de Goodyear et d'Autopneus Paco, 3 succursales à Trois-Rivières. Ce vendredi et samedi, TVHM et vos restaurants Subway de la Mauricie vous invitent au Carrefour Trois-Rivières-Ouest pour l'Arbre des Oubliés. Assistez à de nombreux spectacles et donnez généreusement. Alors, ce vendredi et samedi, c'est un rendez-vous pour l'Arbre des Oubliés. C'est l'événement novembre bien au chaud dans vos trois magasins d'équipeurs de la Mauricie. Profitez de prix extraordinaires sur des vêtements dont vous avez absolument besoin pour passer un automne très confortable. L'événement novembre bien au chaud, c'est dans vos trois magasins d'équipeurs de la Mauricie. L'équipeur, toujours le bon vêtement.
Mardi 7 novembre, une porte ouverte sur l'enseignement collégial au Québec. Le Cégep de Trois-Rivières, le collège qui vous offre 33 programmes de formation, invite tous les étudiants, leurs parents et tous ceux qui sont intéressés à réorienter leur carrière à une porte ouverte exceptionnelle. En plus du Collège de Trois-Rivières, de nombreux cégeps seront sur place pour vous faire connaître les 130 programmes offerts au Québec. Un tour de province en 80 kiosques, un événement unique. Les spécialistes seront sur place mardi 7 novembre de 18h à 20h30. L'entrée et le stationnement sont gratuits. La joyeuse saison de la tempête de rabais est de retour chez Autofeu Paco. Profitez-en pour économiser jusqu'à 80$ à l'achat de 4 pneus Goodyear et passez de joyeuses tempêtes sous l'aile de Goodyear et d'Autofeu Paco, 3 succursales à Trois-Rivières. Tu me le dirais si t'avais fait quelque chose, Anthony. Tu l'as laissé partir tout seul avec ma fille! Prends tes affaires, va-t'en. Tu l'as abusé. Tu lui as déjà fait vivre plusieurs fois en plus. Arrête-moi! Je t'en prie! Ce mercredi 20h. Merci à nos partenaires, le groupe Allogio, Vidéotron, Germain Larivière, Club Piscine Super Fitness et Slim and Light. Alors, je voulais vous montrer comment utiliser la bande d'enregistrement Air Canada. Vous choisissez la ligne aérienne sur laquelle vous voyagez. Vous allez prendre votre numéro de réservation. Alors, nous récupérons votre réservation. Vous voyez, c'est très, très simple. Ce qu'on encourage tous les passagers à utiliser la bande d'enregistrement et veuillez imprimer votre carte d'embarquement et tout de suite vous avez vos cartes d'embarquement. Et même par Internet, vous pouvez vous enregistrer et même avoir vos cartes d'embarquement. We would like to know some expressions. Yeah. Do you have any expressions to teach us? Some expressions? Yeah. Well, you've got one already. Yeah, man. Yeah, man. All right. And then you have another one. Instead of saying what's going on, yeah, just say wagwan. Wagwan? Wagwan, yeah. No man, wagwan! C'est un petit paradis, hein, c'est vrai? Hey, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. C'est comme dans les films. Oh, yeah. Well, I'll get used to this home instead of the other one. You can be sure of that. Moi, j'avais super hâte de pouvoir faire un voyage avec elle. Puis quand elle m'a choisi, j'espérais tellement qu'elle me choisisse. Tu te rends compte qu'on ne pourrait pas se payer ça dans notre vie. Là. Puis là, on va le vivre. On est tellement choyés, ça n'a pas de bon sens. C'est envoûtant, ce rythme de musique-là. Hein? Ils ont réussi à nous faire monter sur la scène pour aller danser. Et c'est par notre show. Vous de bonheur, on a plein d'activités le lendemain. J'aime ça, entendre ça, on a plein d'activités le lendemain. Donc, on se couche quand même tôt. Je ressemble à l'enfance quand je fais des activités comme ça. Elle va vite, là, hein? Hey, mais pas tomber une fois, elle est bonne. Elle a part. Elle est bonne, mais même trop bonne. Parce que là, moi aussi, je voulais essayer ça. Moi, je n'ai jamais fait la planche à voile. Puis, j'apprends vite, là, mais je peux juste pratiquer un peu. Bon, OK. Hein? On se met en bas? Oui, back. Après ça, on part en apnée. Encore là, une chose que j'ai juste vue dans les films, j'ai jamais fait ça. Moi, on s'en va voir les... le corail, puis les poissons, puis ça, ça a été vraiment quelque chose que j'avais hâte de faire, que j'ai eu le plaisir de pouvoir faire ça, en plus de vivre quelque chose comme ça avec Isabelle, ça a été extraordinaire. Un poisson, il était très long comme ça, la tête très seule longue, mince, puis le corps. Ah, puis il était long même, hein, Robin? Je t'ai dit! Robin, je pense que c'est un gars, plus t'es avec lui, plus t'as envie d'être avec lui.
Ça n'a pas été tout de suite, là, waouh, je vais être avec lui. Mais plus j'apprends à le connaître, plus je l'écoute, plus je suis avec lui, j'ai envie encore d'être avec lui. À nous? En Jamaïque. Tu sais qu'ils sont à Jamaïque, levez la main. Yeah! Yeah, man! Yeah, man! Yeah, man! Non. Je t'aurais pas choisi si tu n'étais pas une bonne personne. Moi. C'est grâce à toi. Moi. Pour qui tu es, je t'ai choisi. On va revenir, puis il y a deux autres gars qui vont vouloir la séduire, cette fille-là. Mais tu fais comme, mais comment je peux laisser ça arriver? J'ai trouvé. Avec elle, on arrête vraiment, on n'arrête jamais de parler, puis c'est de n'importe quel sujet, puis c'est fluide, ça va bien, puis c'est quelque chose que moi je recherche, puis que j'ai toujours su qu'elle était comme ça, sauf que ça a été plaisant qu'on puisse parler ensemble. Je suis super bien quand j'étais avec elle, puis j'espère que c'est réciproque. Elle aime rire, puis c'est contagieux quand on est autour d'elle, on n'a pas le choix de rire, puis d'être de bonne humeur. Qui représente pour moi aujourd'hui, Robin? Un gars avec qui j'aime être. J'aime ça quand il est avec moi. Je me sens bien, je me sens belle, je me sens genre, fine, je me sens intelligente. J'aime ça, être avec lui. J'ai encore plus envie de le revoir qu'avant. Plus je suis bien avec lui, plus je le trouve beau. Robin, je le trouve beau. Très bel homme. Isabelle, ça a été la première depuis longtemps, puis... Ça l'est encore. Je trouve que tous les élèves, ça va faire la préparation d'un petit déjeuner à la française. Tu devras donc décider avec qui tu offriras dans ce petit déjeuner, oui. Une fois que tu as bien mangé, tu devras rasser ton partenaire. Ok, non, ça c'est tout moche. Alors ce matin, j'ai décidé de faire le déjeuner à David. Tu veux? Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que tu te retrouves dans mon lit. Oh, je suis pas dans ton lit, là. Je suis comme... Ok, c'est dans mon lit. Ah, tu veux mettre ta soirée? Non, c'est ça. Je suis tout Marie-Étienne, Marie, à jeun et un peu plus avancée. Je vais t'essayer, moi. Non. Tu t'es approché, oui. Ben, c'est pas approché. J'ai ouvert une porte. Ouais, c'est pas pareil. C'est ça que j'ai dit. J'ai réalisé bien des affaires. Qu'est-ce que Marie a réalisé? Si Romain avait pu me mettre dans une autre maison hier soir, je l'aurais fait, là. Dans le sens. Dans ma tête. C'est un genre que tu te donnes. Hum? Oh. Non, mais je suis pas que oui, là. Hein? C'est mon look. Ouais, hein. Fait que là, faut que tu me rases. Ouais. Ça s'appelle un rasoir. Ouais, mais il y a 5 lames. Ça fait quoi? Ouais. Tu te rappelles un objet ou... C'est pas tout. Non, pas du tout. C'est très sensible. Voilà. Oh, c'est bleu. Fait que Marie, c'est comme ta jambe, ça. T'as eu tout de suite des coches sur ta jambe? Attends, le soleil. Ok. Tu veux que je sais ça? Elle n'a pas bien. Est-ce que l'eau est rouge? Pas encore. Pas trop. Tu fais bien ça? Ouais. Hmm. Ok. T'as-tu peur de me faire mal en me touchant? Ou... Non. Okay. Eh bien, tu peux appuyer quand même, là. Ah! Ok, fière de mon œuvre. Bravo. Ouais. Merci à toi. Faut que j'aille m'en raser, là. Après la pause, une élimination selon les grandes gueules. Vous êtes toutes super. Ou encore, ça n'a pas été facile. Et Grégoire déstabilisé par la nouvelle attitude des filles. Regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Là? Il est en haut avec Dave. Tout est avec moi. Tout est tellement mieux avec Dave. Puis moi, tu comprends? Approchez, approchez! Mesdames, on sera votre mari le corps dont vous avez toujours rêvé avec le Muscle Chromatic! Transformez votre époux en dieu grec en quelques paiements faciles de $29.95!
Tout le monde le sait qu'ils vous en restent plein les poches quand vous faites toute votre épicerie chez Maxi. Les baisses de prix. Des centaines de produits réduits qui vous font économiser jour après jour. Maxi, le panier le moins cher. Et ça paraît. Chine, Japan, Bharat, Thaïlande. Des planches de bois qui émergent littéralement du sol des quatre coins du continent asiatique. Hi, non, c'est bien de la blanche. Around nobody can explain the phenomenon. C'est rien au dépôt, ce que vous cherchez, on l'a. Ces virus dangereux pourraient se trouver sur les surfaces que vos enfants touchent et votre famille pourrait en être malade. Et il se peut que votre nettoyant régulier ne tue pas les virus. Alors aidez à protéger votre famille grâce à la puissance sans pareil du vaporisateur désinfectant Lysol. Il tue 99,9% des bactéries et des virus. L'effet ? Lysol est la marque la plus recommandée par les pédiatres. Pourquoi faire confiance à autre chose ? Lysol. Désinfecté pour protéger. En novembre, Meubles Désiré présente l'événement solde d'automne et paie les deux taxes pour vous. Une foule de rabais vous attendent en magasin. C'est l'occasion rêvée de vous procurer la qualité Meubles Désiré à bas prix. Meubles Désiré, boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je mange un bol de bonne croquante. C'est pas mauvais, hein? Regarde, tu peux pas manger ça. Pourquoi bon? Enfin, je veux dire, regarde, là, c'est de l'avoine. Des fraises, des bleuets, des framboises, n'importe quoi. À ton âge, là, tu devrais manger autre chose que des fruits. Les céréales avoine croquante, trio de petits fruits. De croque flocons d'avoine avec plein de fruits, mais vous n'aimerez pas ça. Chez Eureka, découvrez une grande quantité d'accessoires tendance pour Noël. Du style, du choix, de la qualité à bon prix. Pour ma déco de Noël, j'ai craqué pour le look glamour, des petits cristaux et des accessoires de plumes. Avec des chandeliers aux reflets scintillants, des boules dernier cri et la dernière touche, des anneaux de serviettes chic comme des bijoux. L'endroit parfait pour un décor des fêtes super chic, Eureka. À Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières. Eureka, pour habiller ma vie. De nombreux rabais en magasin et les deux taxes payées chez Meubles Désiré. C'est l'événement solde d'automne pendant tout le mois de novembre. Procurez-vous la qualité Meubles Désiré à bas prix. Meubles Désiré, l'art de se meubler en beauté. Boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Le jeudi à 21h30, le célibataire exclu de la semaine à occupation double vous donne rendez-vous en tête-à-tête, en direct sur la vidéo rencontre de réseaucontact.com. Ne manquez pas cette chance. Un monde de rencontres s'ouvre à vous. On peut s'entendre autrement. Une mère de famille prise dans les griffes d'un Shylock. Le négociateur, ce lundi 21h à TVA. Une présentation de Ford Fusion. Ce dimanche, de la grande visite, Maman Dion et ses 14 enfants, Grégory Charles et Louis-José Houd. Ce dimanche, 19h30, vous allez voir, on n'a pas toute la soirée. Une présentation de New Look, Epiderma et Vidéotron. C'est très beau chez vous, les filles. Oui, un peu trop caméra mon goût. On est avec donc Cindy, Grégoire, Marie-Pierre et David, et on s'est dit, tiens, faisons une entrevue en bonne et due forme. On connaît pas trop ça, mais on va s'essayer. Alors, c'est pas tellement compliqué, on va poser des questions de filles aux gars et vice-versa. Alors, une question pour Grégoire. Grégoire, qu'est-ce qu'un gazpacho? Gazpacho, non? C'est un potage froid, c'est une soupe froide, une soupe froide, pas mangeable. Cindy, à toi maintenant, peut-être facile si tu connais les automobiles. Qu'est-ce que la différence entre un V4 et un V6? La quantité de cylindres dans le moteur. Oh, mon Dieu! Formidable! Oh, félicitations, Cindy! David, c'est proposé d'emblée pour raconter la joke de 4 heures. Oui! En fait, on n'a pas donné le choix, non, il a tenté un bras. Tu peux y aller, donc. C'est l'histoire d'une devinette, comprends-tu? Qu'est-ce qui court plus vite qu'un noir avec une TV dans les mains? Je sais pas. Non. Son frère avec le DVD. On l'a recommandé. Mais là, assez parlé, lâchons-nous.
à la radio Joe Dassin. Ah. Nous sommes en direct des maisons. C'est le souper d'élimination. Oh. Joël Legendre a une diction parfaite, même avec un morceau de roast beef dans la bouche. Donc, les filles préparent le speech pour éliminer un gars. Ah, ben oui. Ouais. Elles hésitent entre dire en premier la phrase « Vous êtes toutes super » ou encore « Ça n'a pas été facile ». C'est la fête. Pendant que tout le monde crie et saute de joie, on voit David, d'un air de glace avec des yeux sévères, dire qu'il est heureux comme jamais. Alors voilà. Mesdames et messieurs, ah oui, c'est la place. Ah, bravo! Salut tout le monde, c'est Guy B. Non, mais je suis très, très content de vous voir la gang d'Occupation 2. La seule gang qui boit encore plus de vin que nous autres à la TV. Oui. Alors, ma première invitée aujourd'hui n'aime pas se faire siffler dans la rue. Mais on est dans une maison, fait que... Ah ouais, viens me voir, ma belle Cindy. Viens t'asseoir sur le menton à mon oncle. Oh! On l'accueille, on l'accueille. Alors, Cindy, toi, tu dis que ton vêtement préféré, c'est des jeans. Ben oui. Ah, pourquoi qu'on ne voit plus souvent en brassière qu'en livre? Non, je me plains pas. Là. Non, non, non. Question. Alors, comme la question à Grégoire. Sais-tu vrai que ton prénom, c'est en temps direct H? Oui. J'aurais le goût, moi, là. L'inspiration du moment, ce serait envoyer un couple en voyage. Ah, oui? Ouais, un trip. David et Cindy. Oui, on les enverrait peut-être, genre, à Toronto. Ah! Ils vont dormir à l'hôtel intercontinental Toronto-Yorkville. Oh! Ils vont dormir dans un penthouse. David, Cindy, bon voyage à Toronto. Merci beaucoup. Et merci, Grégoire, Marie-Pierre, aussi, de nous avoir reçus. À lundi, tout le monde! Ciao! Bye-bye! On sort tout de suite, là? Non. Non, on en profite, là, Gaston. Il s'en va, là, je sais pas. Je sais plus avoir, là. Je sais. En quatre parts. Laissez-moi David un peu, là. Mais c'est le gars, je vais te faire avec toi. Dans la vraie vie. C'est forcément de sortir avec elle. Mon petit noir, là. Regarde, qu'est-ce qui se passe, là? Marie est en haut avec Dave. Mm-hmm. Puis tout est avec moi. Je sais que t'aimerais mieux être avec Dave. Puis moi, tu sais, tu comprends? T'aimerais mieux être avec Marie. Non, j'aimerais pas mieux être Marie. Sauf que je sais plus. C'est rare. Mais pour vrai, non. J'ai joué avec Marie pour moi, là, du fait que tu me connais pas? Non, tu fais qu'est-ce que j'ai dit, mettons, à l'écran quand on présentait, puis quand j'ai... Yo! Non, arrête! Marie-Pierre, c'est là pareil, là. Je pense que je suis une crosseuse. Je t'ai pas dit ça. C'est toi qui as mis les mots, là. C'est comme, what you see is what you get. Ce que je suis là, en ce moment, devant toi, là, c'est ça. Je veux dire, je sais plus quoi faire avec ça. Je suis comme plus moi, là. Au début, je m'amusais, puis c'était drôle, puis c'est plus ça. Mais c'est ça, mais continue. Continue à faire ça. Mm. C'est ça qu'on aime de toi. Mm. Ciao.